Dans les écoles que vos enfants fréquentent, dans le gouvernement dans lequel nous sommes, nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il nous donne la paix dans cette nation. Quel que soit tout ce qu'il peut avoir dans les cœurs, que le Seigneur permet que le cœur soit apaisé. Amen. Amen. Donc à cause de tout cela, nous lui rendons gloire ce matin. À cause de tout cela, nous voulons lui donner bonheur. Permettez que j'enlève ça. Moi, ma chère. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux encore de nous rencontrer une fois de plus. Nous saluons la présence de tout et chacun. Merci à tous ceux qui font l'effort d'être présents au culte du dimanche, d'être présents au culte du mercredi. Merci à tous ceux aussi qui portent les enfants de Dieu en prière. Merci à tous ceux qui visitent leurs frères par des besoins financiers. Merci à tous ceux qui ont donné une fois à quelqu'un ici présent un vêtement, une fois à manger. Que le Seigneur se souvienne de tout cela. Amen. Alléluia. Merci à tous ceux qui font l'effort de garder la vie des prières. Même si c'est tense, même si c'est carence, le Seigneur Jésus-Christ va te donner au fil à tous. Alléluia. Amen. Merci à tous ceux qui font des veilles de prière pour la vie des autres. Jésus, sois. Élève la voix pendant que tu as dit, Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de mon frère. Je te rends gloire pour la vie de mon voisin à côté de moi. Je bénis ton nom pour les personnes qui sont autour de moi dans mon quartier, pour la vie que tu leur as prêtée. Bénis le nom du Seigneur Jésus pour cela. Bénis le nom du Seigneur.
Seigneur Jésus, pour le lieu où tu travailles. Bénis le nom du Seigneur Jésus pour ton directeur. Bénis le nom du Seigneur Jésus pour tes supérieurs. Élève ta voix et rends une gloire. Amen. Alors, où est le frère Maurice? Si tu peux nous donner au moins quelque chose dans. Bon, sans des dialogues, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je suis? C'est le moment de le faire. Il y a des assistants qui ont le téléphone, il y a des applications de ne pas déranger. Amen. Ok. Donc aujourd'hui, c'est la chose que nous avons traité. C'est toujours, nous sommes toujours dans le sujet de la doctrine. Donc je te rappelle un virement de 360 degrés avant de venir. Amen. Alléluia. Prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Il y a des personnes qui ont peur de prêcher sur le livre d'Apocalypse. Quand ils entrent là-bas, ils savent qu'ils sont prêts pour devenir prédicateurs. N'aie pas peur. Il ne faut même pas avoir peur. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait toutes choses dans son temps. Je ne sais pas si vous avez raconté ce témoignage et lu le livre d'Apocalypse de toi, vous n'avez jamais compris quelque chose. Alléluia. Voilà qui va dans la mission de Dieu. Pourquoi tout ce qu'on ne dit pas? On va faire ce qu'il y a pour faire un grand passage au ici. Amen. Alors, madame, tu peux t'asseoir là-bas, s'il te plaît. On va donner le verset Apocalypse, chapitre 2. C'est bon, c'est bon. Jésus. Est-ce qu'on m'entend bien Jésus? Aujourd'hui, c'est nous, hein. On va lui donner moi un micro, je n'ai pas tout. Quand c'est tout ça là, quand on appelle pour lui, ça nous passe. Jésus. Voilà. Oui, c'est tout qu'on travaille mal. Jésus. C'est bon. Jésus. Mets-toi un peu de basse, c'est plus trop sec. Si on peut mettre un peu de basse. Jésus. C'est bon. Apocalypse chapitre 2. Nous allons prêcher un peu sur le paganisme. C'est qu'on appelle paganisme en français, terre à terre, ça veut dire la façon de vivre des païens. C'est ce que ça veut dire. Amen. Parce que le paganisme, c'est quelque chose qui prend ampleur au fur et à mesure. Et le Seigneur va nous faire grâce de pouvoir mettre toutes ces choses dehors par le nom de Jésus. Au milieu des sept chandeliers d'or. Oui. Je connais tes œuvres. Oui.
ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu es éprouvé, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, oui, et qui ne le sont pas, oui, et que tu les as trouvés menteurs. Très bien. Et que tu as de la persévérance, oui, que tu as souffert à cause de mon nom, oui, et que tu n'étais point lassé. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, oui, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, oui, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Oui. Sinon, je viendrai à toi et je jeterai ton chandelier de sa face, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de celui qui a des oreilles. Éphésiens 5, le verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses. Éphésiens 5, verset 26. Verset. Éphésiens 5, le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, Marie aimait vos filles et s'est livrée lui-même pour elle. Oui. Afin de la sanctifier par la parole, oui, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc l'écriture déclare si bien que Marie aimait vos femmes. On est d'accord? On n'est pas venu pour parler des problèmes du groupe déjà ici. Alléluia. Nous on va avancer. Amen. Donc on dit Marie aimait vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Et parce que Christ a aimé l'Église, il s'est sacrifié pour elle. Afin de la sanctifier. Alléluia. Continuons. Afin de la sanctifier. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Donc le souci de Christ, c'est de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Sans tache. Qui n'a pas de tache. Ni ride. Qui n'a pas de ride. Ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Et une église qui est sainte et irrépréhensible. Alléluia. Donc c'est le travail que Christ fait. Alléluia. Donc la mort de Jésus à la croix de Golgotha, c'était afin de sanctifier cette église. Pour que cette église apparaisse devant lui sans tache ni rite, ni rien de semblable. Alléluia. Donc le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans l'église, c'est un travail qui nous donne de préparer l'église et l'épouse de Christ. Amen. Ta maison que tu viens ici à l'église. La particularité que tu viens chercher ici à l'église, ce n'est pas prétérément de venir saluer ton frère. Ce n'est pas prétérément de venir rendre visite à une soeur que tu n'as pas vu depuis longtemps. Parce que vous avez les téléphones. Parce que vous avez l'internet, vous avez WhatsApp, vous avez tous ces réseaux sociaux-là pour communiquer entre vous. Mais lorsque tu viens ici à l'église, le but principal pour lequel nous nous rassemblons, c'est que Dieu doit travailler l'Église. Dieu doit préparer l'Église. Dieu doit sanctifier l'Église. Dieu doit nettoyer l'Église. Pour que l'Église paraisse devant nous comme une Église sans tache, sans défaut ni rite. Alléluia. Dans le commun des mortels, c'est-à-dire parmi les hommes, il y a quelque chose que nous voyons, nous ne prêtons pas attention. Vous remarquez que les femmes aiment beaucoup les produits de beauté. Les femmes se donnent beaucoup aux produits de beauté. Elles aspirent et elles ne jouent pas des produits de beauté. Parce que tout leur être, c'est des rendre belles, séduisantes, attirantes et attrayantes. Mais pourquoi elles aiment ça? Elles aiment ça parce qu'il y a un mystère qui est caché derrière. Tu vas regarder que de façon naturelle, les hommes n'aiment pas trop les produits de beauté. Ceux qui aspirent beaucoup aux produits de beauté, ils finissent par les interpréter. Ou au moins des saumons sexuels. Mais on ne sait pas de façon naturelle. C'est la femme qui dit je veux pommade. C'est la femme qui dit que je veux huile de dent. C'est la femme qui dit que je veux carreau white. Je veux coco buteur. Je veux ceci, je veux cela. Ce sont des femmes qui sont plus attirées par ce genre de choses. Pourquoi? Parce que le souci des femmes, c'est de se rendre belle. Pour que lorsque l'homme les regarde, l'homme soit attiré. Amen. Amen. Et ça, on
si on peut le voir dans l'église, c'est à l'église de Christ de se rendre belle. C'est à l'église de Christ de se rendre attirance. C'est à l'église de Christ d'attirer Christ vers elle. Parce que toute église aspire un jour à entrer dans la maison et dans la demeure du roi. Je retourne dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther, ça descend d'apparence à un concours de beauté. Mais ce n'est pas un concours de beauté. Le livre d'Esther ressemble d'apparence à un concours de miss, mais ce n'est pas un concours de miss. Le roi avait une femme qu'on appelait Vashti. Le roi organisait une fête, il invitait les principaux, les grands, les chefs. Et il voulait montrer la beauté de sa femme. Suivez-moi très bien avec attention. Il veut présenter à toute l'assemblée. Regardez la beauté de ma femme. Admirez la beauté de ma femme. Je descends dans la doctrine et j'entre dans le foyer. Frère, c'est à l'homme de rendre belle sa femme. Je réponds dans mon enseignement tchadiak. Amen. Alléluia. Donc ce roi-là devait présenter sa femme devant tout le monde pour dire, regardez Vashti, comme elle est belle, comme elle est attirante. Lorsque Abraham descend dans le pays des Égyptiens, il est avec Sarah. Lui, sa beauté n'était que ses vaisseaux. Mais tout le monde a commencé à regarder la beauté de Sarah. Il dit, hey, Sarah, à cause de ta beauté, elle est où tu es. Il faut dire que tu es ma soeur. Il n'a pas menti, c'est la vérité. Un prophète ne ment pas. Abraham est un prophète qui ne peut pas mentir. Donc si toi tu pensais qu'Abraham avait menti, il faut te remontir. C'est une fausse interprétation. Il n'a jamais menti. C'est un prophète de Dieu. Si tu vois les prophètes menteurs, ça c'est le problème. Mais si le prophète de Dieu, Abraham n'a pas menti. Donc, à cause de la beauté de sa femme, il est sorti avec des présents. Il est sorti avec beaucoup de présents. Tout le monde admirait la beauté de sa femme. Tout le monde regardait la beauté de sa femme, Sarah. Quand tu parles pas encore la Bible, le Seigneur fait l'apologie des femmes qui sont belles. Quand tu prends avec Rachel, on dit qu'elle était très belle des filles, mais elle n'est pas. Et le roi Assyrus va demander qu'on va te chercher des jeunes filles belles, vierges. Jeunes, belles, vierges. Ils sont allés chercher plusieurs jeunes filles belles et vierges. Ça fait rapport au nombre de 10. Elle ne pouvait pas dépasser ce nombre. Alléluia. Mais tu n'entres pas dans le monde. Alléluia. Et les jeunes filles maintenant arrivent. Avant que Esther arrive, Esther n'avait pas son père. Esther avait perdu son père. Donc elle était orpheline. C'est Mardoché, son oncle, qui s'occupait d'elle. Je ne sais pas qui a dit à Mardoché que le roi a besoin de femmes. Il allait chercher Esther. Il a accompagné Esther. Esther a fait son parcours. Arrivé à un moment, lui s'est retiré et il a laissé Esther dans la main des élus du roi, c'est-à-dire des gardiens qui suivaient les femmes du roi. Mais quand elle arrive là-bas, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui dit, tu vas te sanctifier, tu vas te préparer pendant un an. Laissez-moi vous dire que le temps de la préparation pour lequel nous sommes, c'est un an, prophétiquement c'est un an. Amen. 6 mois avec l'huile de la mire, 6 mois avec les aromates et les parfums. Et quand Esther a fini ce temps de préparation, elle devait maintenant passer. Il y avait plusieurs jeunes filles, belles, vierges. Il y en avait plusieurs. Le roi maintenant doit sélectionner. Le roi maintenant doit regarder. Le roi, c'est-à-dire que tu peux te plaindre, mais quand le roi te regarde, toi-même, regarde-toi par exemple dans un miroir, mets-toi de loin, et puis mets-toi de près. Tu as l'impression que plus tu es prêt, tu ne veux finir. Mais quand tu es loin, tu es plus beau. Mais quand tu approches, tu vas te montrer les points, les ouvertures qui sont sur ton visage. C'est comme cela que Dieu regarde.
Il va regarder pour voir s'il n'y a pas les rides. Il va regarder pour voir s'il n'y a pas de petites taches. Il regarde dans la première. Il voit des taches. Il ne sait pas bien. Il regarde dessus, dessus, jusqu'à arrive maintenant vers Esther, Adassa et toi. Elle arrive, voici. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est que Vashti était premièrement reine. Le roi voulait la présenter. Mais à cause de sa désobéissance, le roi a mis Vashti à l'autre. Il a tourné maintenant les regards, mais ce n'est pas lui qui est allé chercher ces femmes-là. Les serviteurs ont vu que le roi était triste. Et pour calmer la tristesse du roi, ils n'ont pas proposé autre chose. On dit, ah roi, la main est triste là, médicament de la tristesse ces femmes. Amen. Ça, c'est pas les choses simples. Quand on entre dans ces genres de choses-là, il faut bien comprendre. Hein? C'est pas les terres à terre. Parce qu'il y a plusieurs choses, le roi est triste. Il est calme. Les serviteurs ont remarqué. Ah, pourquoi le roi est calme? Médicaments pour calmer là, ces femmes. On dit aller chercher les jeunes filles vierges dans tout le royaume. 127 provinces. Ils sont allés chercher. Donc ces serviteurs, je veux qu'ils sont en train de chercher des femmes pour donner au roi. Ce sont les ministres de l'évangile. Le roi Assuérus dans cette histoire nous ramène chez le roi Adam. Parce qu'Adam aussi était un roi. Dieu a vu que Adam aussi était triste. Dieu dit médicament de tristesse, cette femme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia, je ne suis pas dans les choses de l'homme. Adam, si tu es triste là, c'est pas une jeune fille, quoi, tu as été dans le monde, c'est ça. Hein? Voilà, on est dans les hauteurs. Donc, moi, pensez que quand tu es triste, tu es allé au joint. Les filles ont des choses, c'est l'économie. Alléluia. Amen, amen. Regardez même avec le roi David. Quand David a commencé à vieillir, il n'avait plus de force. Il perdait un peu la chaleur là. Les gens réfléchissent, il faut une jeune fille pour le réchauffer. Ça, c'est la Bible. Donc il fallait une jeune fille pour réchauffer le roi. Il fallait être pour boire. Il fallait être patient. Et vous allez voir dans le commun des mortels, c'est-à-dire dans les hommes. Ici dans le commun des mortels, homme et femme. Ça c'est indéniable. Alléluia. Amen, amen. Les hommes et femmes. Ne nous mentons pas. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que cette histoire va nous expliquer? Adam aussi, le roi a regardé. Adam a regardé pour voir s'il n'y a pas de rides. Hein? Adam a regardé pour voir s'il n'y a pas de taches. Quand il a regardé Ève, il n'a pas vu ni rides ni taches. Il dit vraiment, celle-là, elle est bonne. Mais qui a envoyé la femme avec Ève? Adam, c'est Dieu. L'écriture déclare que quand Dieu a fini de former Ève, il l'emmena. Mais il va l'emmener comment? Il l'emmène en saisissant par la main. Et il l'emmène vers le roi. Le mouvement de la main qui l'emmène, c'est le ministère qui doit présenter l'église à Christ. Alléluia. Donc le rôle des prédicateurs, ce n'est pas de voir des voyages, ce n'est pas de voir des célébrations. Ce n'est pas de voir le miracle. Ce n'est pas de voir quoi. Mais le rôle d'un prédicateur, c'est de s'assurer que cette femme n'est sans tâche. Cette femme n'est sans rites. Parce qu'il doit présenter sa Christ. Frère, regardez quand vous lisez les. Christ ne va pas mourir à la croix pour toute femme qui n'est pas vierge. C'est pourquoi nous disons que Christ n'est pas bon pour tout le monde. Ah.
Tant que tu n'es pas vierge, Christ n'est pas bon pour toi. Parce que Christ est mort pour sanctifier l'Église, pour la purifier. Donc lorsque Jésus met à la croix de Golgotha, c'est parce qu'il veut qu'on lui présente une femme vierge. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Jacob vient dans la maison de Laban. Il a besoin des femmes. Regardez cette histoire avec ces femmes. Amen. Amen. Donc il descend dans la maison de Laban, il a besoin des femmes. Il travaille pendant 7 ans. Quand il finit de travailler pendant 7 ans, il donne ses réponses à ses billets. Il a regardé les yeux de l'air, il dit que c'est dans les yeux délicats. Elle a encore des rites. Ce n'est pas pour elle que je travaille, mais je vais travailler encore 7 années de plus. Alléluia. Il travaille 7 ans encore plus. Il prend la chaîne. Il avait déjà vu la chaîne il y a longtemps. Il avait déjà regardé Rachel il y a longtemps. Alléluia. Ça veut dire que tous ceux qui vont aller dans le palais du roi, qui est aujourd'hui le ciel, sont toutes ces personnes-là qui sont pures. Voilà pourquoi nous disons que tout évangile qui dit qu'on peut vivre comme on veut, puis aller au ciel, c'est même l'évangile diabolique. Tu dois te préserver des souillures du monde. Tu dois te séparer des souillures du monde. Tu dois te laisser abandonner et rejeter les fruits du monde. Parce que spirituellement, lorsque tu pêches, tu perds la virginité. Quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, vous lisez. Le frère Paul a présenté deux types de femmes. Ou trois. Il a présenté les veuves, il a présenté les femmes mariées et il a présenté les vierges. Il n'est pas rentré au milieu. Ah, j'ai besoin des moments qui sont ici. Vous allez faire des enfants. Frère, si vous êtes dans cette assemblée, que le moment vous présente une fille qui n'est pas vierge, discutez la doctrine, c'est négociable. C'est la vérité. C'est la vérité. Ça, il ne parle pas de la hauteur, il parle de sexe. Tu es un père, ta fille n'est pas vierge. On va venir dire que c'est 900 000 ou 4 millions. On va nous dire c'est vrai. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Ah. C'est négociable. Négocier. Discuter. Rappeler au Seigneur. Je ne l'ai pas trouvé vierge. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi Dieu a permis que celles qui sont vierges aient de la valeur dans les écritures? David allait couper 200 prémices de Philistins à cause des femmes vierges. Pensez que ça a besoin. Quand une prépuce là, bon, il va expliquer en français t'es raté. Quand ton enfant naît, c'est que tu enlèves sur son tube là. C'est dans la même prépuce. David allait combattre les Philistins. Il a tué 200 personnes. Il a enlevé les prépuces. Il est venu dans le roi. Le roi dit, ah, ma fille elle peut partir avec eux. Mais la fille était vierge. Quand vous êtes dans la loi de l'Église de Lévitique, lisez vos bibles. Si tu ne veux pas lire, les enseignants vont donner, écoute, tu ne donnes pas les versets. Quand il est dans Lévitique, là, il faut aller chercher dans Lévitique. Où est-ce que c'est que ça veut dire? C'est écrit où? On va aller chercher. On va donner le verset aujourd'hui. Amen. Il est strictement interdit à un sacrificateur de prendre une femme vierge. Et une femme non vierge. Le sacrificateur devra prendre obligatoirement une femme qui est vierge. Souverain sacrificateur par excellence est Christ. Il est strictement interdit à Jésus de prendre une femme qui n'est pas vierge. Parce que quand Jésus viendra chercher son église, toutes les personnes qui ont des tâches ne vont pas partir. Toutes les personnes qui n'ont pas utilisé la pommade. Et je ne parle pas terre. Je parle des choses spirituelles. Toute personne qui ne va pas utiliser la pommade, qui ne va pas utiliser l'huile pour se sanctifier, n'entrera pas au ciel. L'apôtre Paul nous a dit que je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc quand il dit souffre les douleurs de l'enfantement, on nous savons que celle qui souffre les douleurs de l'enfantement, c'est la femme. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que lui, le prédicateur, il est comme une femme. Il est comme une maman. On doit venir prendre sa fille
On doit venir prendre son enfant. Mais il faut que cette maman-là puisse éduquer son enfant pour que son enfant soit préparé. Quand le monsieur la viendra, il trouvera la femme vierge. Voilà pourquoi quand nous lisons dans les Écritures, quand un homme prend une jeune femme, il a épousé, il va avec elle. On dépose quelque chose sur le lit et il doit avoir le signe de la virginité. Aujourd'hui aussi, tu dois présenter le signe de la virginité. Si tu es pur en Christ, si tu es vierge en Christ, quand je dis vierge, ça veut dire pur, sans tache ni ride, c'est ce que ça veut dire dans la révélation. Alléluia. Mais dans la règle des hommes, quand je dis vierge, toi-même tu connais. Hein? Alléluia. Donc si tu es pur en Christ, cette pureté-là doit se dégager. Les six mois tester réellement que tu es pur. La maison d'Abraham, son nom n'était pas Élisée. Il n'avait pas de nom, il n'a pas donné son nom. En tout cas, c'est le serviteur le plus ancien. Quand il est allé vers le puits, Abraham lui donne les signes. Parce que ce sont les signes qui vont présenter la femme. Ce sont les signes qui vont montrer la femme. Et quand le serviteur le plus ancien arrive, il élève la voix de Dieu. Mon serviteur m'a donné les signes. Mon maître m'a donné les signes. Il faut que je voie les signes dans la vie de ces femmes. Donc c'était un peu ou plus de jeunes filles venaient puiser. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'église de Jésus, c'est un puits. Pourquoi? Parce que l'eau qui est donnée, c'est la parole. Amen. Mais dans ce puits-là, il y a des femmes qui n'ont pas les signes de virginité. Or, quand le Seigneur devra prendre une femme, il faut que la femme soit premièrement au puits. Dieu ne prendra pas une femme qui n'est pas au puits. Toutes les femmes qui n'ont pas accompli vont les rejeter dans mon air. Je m'explique derrière pour qu'on puisse bien comprendre. Ésaïe chapitre 57, je ne donne pas le verset. La parole s'est accompagnée à de la pluie. La parole s'est accompagnée à de l'eau. Et quand nous venons au puits, c'est pour boire de l'eau. C'est pour étancher sa soif. Oh, le puits aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est le puits. Et cette eau qui donne, c'est sa parole. Il dit à la femme que si tu connaissais le don de Dieu qui est devant toi, c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau à boire. Je te donnerai de l'eau, tu vas boire et ça va changer jusque dans la vie éternelle. Parce que l'eau que je donne, c'est la vie éternelle. Amen. La femme dit, Jacob a déjà un puits. Depuis longtemps, Jacob même a pris dans ce puits, il dit que si tu bois dans ce puits-là, tu auras encore soif. Mais le véritable puits, si tu vois Jacob creuser des puits, à un certain moment, Abraham creusait le puits, son fils faisait le puits, on ne comprenait pas, il puits, par là-dessus, puits. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le véritable puits qui doit donner de l'eau pure, c'est pas l'eau de l'eau pure, de l'eau pure, de l'eau naturelle qui sort de la terre. L'eau du robinet, c'est l'eau, on a mis des ingrédients, c'est des fausses prédications. On mélange avec des choses là pour donner quelque chose de beau. Oh, c'est pas ce qu'on veut. Regardez même de la nature des hommes. Les grandes entreprises, les grandes sociétés d'eau aiment de l'eau pure, de l'eau de source, de l'eau naturelle. Tu as vu de l'eau de source, il a vu ça boire. Frère, je ne sais pas qui a lavé l'eau là. C'est tellement propre. C'est tellement beau. Il n'y a pas de tâche. Et cette eau aujourd'hui, c'est la doctrine de Jésus-Christ qui est plus importante. Cette doctrine. La doctrine qui n'est pas mélangée, la doctrine qui n'est pas confondue, mais la doctrine qui est claire, la doctrine qui est pure, et à plusieurs fois dans ce livre. Nous sommes remplis dans les églises. Moi, je ne parle pas des églises d'avoir, toutes les églises d'avoir, là, ce n'est pas de que moi je parle. Voilà, ils ne vont pas au ciel, mais parce que déjà, ils n'ont pas l'eau pure. Amen. Je parle de toutes les assemblées qui ont de l'eau pure. Les gens sont plusieurs dans les églises, remplis dans les églises. Mais le serviteur le plus ancien, il connaît le signe. Parce que lui, il était avec Abraham. Abraham lui a tout dit. Regardez le mouvement. Abraham fait jurer le serviteur le plus ancien. Abraham soulève sa puce. Et il met sa puce, la puce d'Abraham. Il jure. Ça, c'est quoi ça? Dieu, pourquoi il peut nous mettre en église? On peut dire la puce à l'unité. Lui, il a vu sa vérité. Lui. Parce que le
ancien, c'est lui qui connaît l'humilité du Père. Le serviteur le plus ancien, c'est l'ancien des jours, c'est le Saint-Esprit. Il va voir la Christ et il viendra maintenant. Donc quand le Saint-Esprit entre dans une assemblée, lui qui connaît les femmes pures, lui qui connaît les cœurs, il connaît ceux qui vont entrer et ceux qui n'entreront pas. Parce que plusieurs jeunes sont dans les assemblées, mais on est encore attaché aux choses. Mais on vit comme des montées. Aujourd'hui, je parlerai dans la doctrine. Et quand je parle dans la doctrine, ah là, je ne suis pas. C'est dans la révélation, rien. Mais dans la doctrine, ah, la chicote. La chicote. Amen. Amen. Non, ça ne t'inquiète pas, il va te parler avec un ami. Mais un ami qui blesse. Amen. 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 Plus ça, c'est dans l'assemblée. Jésus, 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 Jésus. Mais ils ont encore les traces et les reflets du monde encore en eux. Ils ont encore ces semences du monde encore en eux. Ils parlent de dépouillement, mais ils ne pratiquent pas le dépouillement. Eux, le dépouillement consiste dans enlever les mèches des pantalons. Mais en réalité, la nature du monde les a abandonnés. Pratiquons le vrai dépouillement. Pratiquons le dépouillement de sa totalité. Pratiquons le dépouillement de son entièreté. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je dis à quelqu'un, dépouille-toi. Laisse les mèches. Laisse les pantalons, toi, femme. Mais pendant que toi-même, tu as caché à la rue du monde. Tu vas plus sûr. Ils vont encore dans les marches. Ils vont même les amis dans les matins, on les invite et puis ils sont assis là-bas. Ils participent à la musique du monde. Ils se coûtent la musique du monde. Ils contemplent la musique du monde. Ils s'asseyent dans cette musique. Ils acceptent. Et dimanche, ils viennent se jouer les saints. Alléluia. Ça, quand tu fais cela, le Saint-Esprit ne voit pas les signes encore. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Jésus et écrit à l'ange de l'église de Fès. Ah. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Ah, je connais tes œuvres. Ton travail. Je connais ton travail. Et ta persévérance. Je connais aussi ta persévérance. On va s'arrêter là. C'est une personne qui parle. On ne comprend pas ça en français. Sinon, tu as des choses. On n'est pas venu aujourd'hui pour parler de ça. Hein? D'autres noms, le nom de Jésus. Ouais, d'autres noms, le nom de Jésus. Il est digne de gloire, digne de puissance. Quand celui qui est assis au milieu de ces chandeliers d'or, quand il arrive premièrement, il se présente, il donne ses attributs, tout ça. Et il finit, il commence à clamer, à louer cette assemblée. Le Seigneur connaît tout ce que tu fais. Le Seigneur est informé de tout ce que tu fais. La parole du Seigneur déclare que ne monte pas le roi de ta chambre. Parce que l'oiseau du ciel va prendre tes paroles pour aller ici. Secret. Ça veut dire simplement que tout ce que tu fais dans le secret, tout ce que tu pratiques dans le secret, dehors de l'assemblée, tout ce que tu pratiques dehors des frères, Jésus le sait. Parce que c'est lui qui est l'oiseau. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Donc l'oiseau, c'est le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Nous, on peut ne pas voir. Nous, on peut ne pas connaître. Nous, on peut ne pas savoir. Mais le Saint-Esprit connaît la profondeur du cœur de l'homme. Parce que la Bible déclare que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un boulon.
Tu peux te cacher aller au mari. Tu peux te cacher te laisser traquer par les jeunes hommes du quartier. Tu peux te cacher. Te laisser traquer par le premier venu. Sous prétexte que je vais prier pour lui, il va se convertir. Toutes les personnes qui disent que je vais aller chercher mon mari, Dieu va se convertir. C'est dans l'erreur. On ne cherche pas dehors, on cherche où il y a le puits. C'est au puits qu'on trouve pour soi. Alléluia. Amen, amen. Non, c'est vrai, on était avant ensemble. Elle est comme nous. Il n'est pas envie de dire des noms. Elle était pas là. Oh, mais c'est moi qui m'a donné. Elle était chez vous, salut. Comprenez combien. Il y a ma chère, il y a six fois de l'eau. Maintenant la différence. Tu as déjà pris cette femme, déjà dans le monde, tu es déjà marié. Tu n'as pas divorcé, frère, tu es policier. Même si elle meurt son front par terre, tu es plein. Il n'y a pas de divorce. Alléluia. Ah, il n'y a pas de divorce dedans. Hey, tel fois, ils arrivent maintenant. Non, Dieu a dit que si la femme est non-croyante, qu'elle ne se décide pas de se séparer, si tu veux rester là-bas. Amen. Alléluia. Tout ce que tu poses comme acte sur la terre, quand on te parle d'un conseil, ça rentre ici, ça sort, tu vas payer les conséquences. Il ne faut même pas penser que quelque chose va changer. Laissez-le dans le cœur. Laissez-le. Amen. Si tu es dans le monde, on te dit, ne sors pas avec les hommes mariés. Que tu as 6 ans, je ne vais pas te laisser avec aussi là. Ah. Si tu es présentement à l'église, on dit ne va pas coucher avec des hommes. Quand tu vas coucher avec des hommes, pourquoi c'est que Jésus va. On va prier bien que c'est dans partie. Tu vas rester avec ton enfant, on va te fatiguer. Tu vas sentir des noms. Et tu vas voir comment ça fait mal. Regardez le comportement d'Israël. Dieu dit à Osée, prends des femmes prostituées. Il y a des ministres de l'évangile aujourd'hui qui disent. Dieu a dit à oser, dit Jésus, à oser prendre des femmes prostituées. Donc, si quelque chose c'est que je vis, ne me critiquez pas. On va te critiquer, frère. Moi, je suis le premier à te critiquer. Tu vis mal, on critique. On critique, on ne critique pas ceux qui se préservent, ceux qui se gardent. Même un faux type comme ça. Tiens, tu prends les femmes dans l'église, tu couches avec elle, et tu dis que non, je suis le moins de Dieu. Tu es quel moins? Tu n'es pas un moins, c'est Satan qui t'a appelé. Amen. Alléluia. Alléluia. Un homme de Dieu qui vit mal, tu parles de lui, tu ne pêches pas. Tu ne vas pas dans l'enfer. Même si Renata prononce malédiction zéro, tu lui dis ce qui est mauvais. Si Renata se pêche, tu vas faire des raccourcis. Qui peut t'a dit, Josué t'a dit, tu raccourcis. En vrai que lui, jamais il a vu là. Quand il est en train que il partait chez lui, mais il a vu une jeune fille qui a porté des choses là. Oh, c'est Dieu, t'as n'a pas couché ensemble. Nous avons tenté de la révélation. Oh, tu n'es même pas fondé. Amen. Alléluia. Pendant que tu es ici à l'église et que tu es encore dans les apportements, on va penser que le Seigneur va te laisser comme cela. Ça fait mal d'entendre que plusieurs ils chantent, ça crie. Quand on dit Jésus, ça tombe en transe. Quand on dit prophétie, recevez, il reçoit. Mais ils finissent de recevoir la prophétie et puis vont envoyer. Ils finissent de recevoir la prophétie. Je sais que tu ne peux supporter avant s'arrêter là. Il dit, je connais avant premièrement tes yeux. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Donc quand Dieu tient, il va regarder tes yeux. Il va regarder ton travail et ta persévérance. Acte chapitre 4. Verset 34. Acte chapitre 4, verset 34. Allons-y la Bible, s'il vous plaît. On est habitué maintenant à la Bible. C'est pas une livre pour nous. Deuxième lecture, Acte chapitre 9, verset 36. Acte 4, verset 34. Ils sont. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Oui. Tous ceux qui possédaient des champs. Tous ceux qui possédaient des champs. Ou des maisons les vendaient. Ou des maisons les vendaient. Apportaient le prix. Apportaient le prix. De ce qu'ils avaient vendu. De ce qu'ils avaient vendu. Alléluia. Et il le déposait au pied des apôtres. Il le déposait au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions. Donc le Seigneur voyait toutes ces œuvres dans les églises.
Mais aujourd'hui, tu rentres dans les églises, on est devenu méchant. Ceux qui en ont plus, quand le culte finit, il ne faut même pas t'approcher de vous demander l'argent. Ils sont partis. Alléluia. Mais on parle d'amour, d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais c'est difficile aujourd'hui. Vous n'avez pas de faire sortir l'argent. Quand il va sortir l'argent, il dit non, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas donner l'argent à lui. Mon ami, c'est faux. Quand tu vas donner, faut que tu vas donner. Pas notre apporter de vous. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas un homme qui n'avait pas Saint-Esprit. Quelqu'un qui va voir son champ, comment c'est bien les 500 tu donnes. Quelqu'un qui voit son champ et il vient offrir. Il te pose auprès des apôtres. Si tu connais ce que ça signifie, champ. Va aller des champs aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 2 millions. Il prend 2 millions, il vient te poser. Et puis il t'en pas au sein du champ. Mais toi, 1000 francs tu as donné là. Là, raconte au quartier, à tous les frères à l'église, quand il y a quelque chose, guérir dans l'église, ça va pas donner. Tu as fait comment? Les 1000 francs sont finis, tu as dépensé. Parce que tu as donné avec la haine et la méchanceté. Aujourd'hui dans les églises, on ne voit plus ce tabou-là. Ça a disparu. Le tabou est concentré sur le pasteur et sur ses enfants. Est-ce qu'ils ont donné ça au pasteur? Ils ont mis au pied des apôtres. Il y a une explication de pourquoi c'est au pied. On ne m'a pas mis dans les mains. Ah. C'est pas dans les mains qu'ils ont mis. Ils ont mis au pied des apôtres. Et les apôtres ont distribué cela avec équité. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus des loups ravisseurs. Quand l'argent arrive, ils prennent cet argent-là, ils empochent, ils mettent leurs enfants à l'école, mettent leurs enfants aux États-Unis, leurs enfants sont dans les grandes écoles, pendant que vous, là, allez là, on prie pour vous. Hein? Dieu va ouvrir les portes. Mais lui met ses enfants dans les grandes écoles, il sait que quelqu'un va finir travailler. Mais toi, pour toi, il va prier. Amen. Alléluia. Et on ne voit plus ce tabou là, c'est ceux qui ont disparu aujourd'hui dans les églises. On est devenu méchant, on est devenu écrit. On est devenu une personne haineuse, remplie de méchanceté, remplie de cœur. Même quand on parle de cotisation pour un tel, ça diminue. Quand on parle de cotisation pour une soeur, ça diminue. Tu verras que bientôt, bon, il reste quelques jours, hein. Bientôt, les gens seront, ils vont vociférer, ils seront prêts, ils vont donner de toute leur âme, parce qu'il s'agit du mariage de Dr Abraham. Mais si un frère se marie dans l'assemblée, il n'y a personne pour placer Pache. Je me souviens, on m'a bouché les pages urbanisées. On va se dire les vérités. Si tu veux, il faut voir ce qu'on a fait. Amen. On s'en va au mariage du frère, ne dis pas son nom. Il n'y a personne pour placer Pache. J'ai dit à mon collègue, enlevons les choses. Et on place. Commencez à placer les trucs, les chaises, les bâches. Mais quand il y a un mariage de tel, tout le monde, on va faire ceci. C'est de la discrimination. Ce sont des pratiques discriminatoires. Et ce sont ces chers de choses que Dieu va te reprocher. C'est bon d'écrire telle doctrine, telle doctrine, telle doctrine. Mais dans la pratique, c'est nul. C'est zéro. Le réveil a lieu. Nous sommes là. Mais quand tu regardes la doctrine, c'est la sorcellerie. Une assemblée de sorciers, des cibous dans les églises. Bande de critiqueurs. Bande de haineux. Bande de cris, de frustrés. Ils sont dans les églises comme des cafards. Amen. Il faut que Dieu nous délivre de ces comportements-là. On cherche délivrance, des gens, on cherche des mots de la gens. Mais nous, on n'est pas délivrés. Tout le monde est conseillé. Même nous-mêmes d'avoir appelé micro, tout le monde est conseillé. La méchanceté parmi les saints. Alléluia. Alléluia. Quand il n'a pas mis de l'argent, il y a une songe. J'ai vu que tu as pris mon argent pour aller donner la photo, mon ami, arrête ça. Ah, arrête ça. Si tu es un homme, une femme de prière, quelqu'un va prendre son argent, va lui déposer quelque part, ça va pas marcher. Mais comme tu es présenté, c'est pourquoi ils vont t'avoir. Alléluia. Amen. Les gens donnaient de tout le cœur. La seule fois où elle a c'est puis sa fille, on va lui mentir. Maman, tu as dormi. Comment tu es fatigué? Il y a quoi de soi pour
La seule fois où Ananias et Saphira ont joué, ils sont morts. On dit la crainte s'est emparée de tout le monde à partir du là. Même bien les 100 000 francs. Il y a ouais, ça. Tiens, déclare. C'est quand Dieu va commencer à tuer les gens aujourd'hui dans l'église. C'est là qu'ils vont commencer à se déclarer. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Au lieu de travailler pour le rétablissement, pour que les âmes soient réellement affermies, on travaille pour se faire la guerre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est bizarre, ça aussi. On prétend avoir la doctrine, la vérité. Mais la vérité, on ne pratique pas. Frère, ça ne sert à rien de prétendre qu'on a la doctrine pendant qu'on ne la pratique pas. Tu es en train de faire de la sorcellerie sans le savoir. Et tu es sur la liste des sorciers. Quand le sorcier de ta famille, tu combats contre toi-même. Alléluia. Vous voyez, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on a des problèmes, c'est sûr qu'on n'a pas sa réponse sur nous. Amen. Ça répond sur nous. Donc, ça détruit, là, ça détruit tout autour de nous. Et on dit, ah, c'est quoi ça? Amen. En train de se lancer des piques, comportement des chrétiens. En train de se lancer des piques, ça lance ici, ça lance là. Et puis, on dit qu'on est converti. On n'est pas converti, on est des sorciers. C'est quoi ça? L'église c'est Dieu, n'est pas lieu de conflit. L'église c'est Dieu, n'est pas lieu de pique, n'est pas lieu de mal. Ça fait des groupuscules de personnes et ça se met derrière terre. Ça fait des groupuscules de personnes, ça se met derrière terre. Vous êtes devenus pique de païens. L'apôtre Paul me dit, on entend que ta chose même qui ne sait pas. Bon, le mal que la personne a fait, chacun cherche à se justifier. Je l'ai bien fait, c'est lui qui a fait, c'est moi qui a fait, c'est lui qui a fait, c'est moi qui a fait. Quand l'écriture ne déclare qu'il y aura des guerres de bruit de guerre, même dans les églises, il y a des guerres de bruit de guerre. Ils sont prêts à dire, mais pas qu'une magie. Qu'une magie, même, c'est mieux. Que ton comportement du sorcier. Alléluia. Non. Non, encore là. Et voilà, il voit les marques partout. Ça, c'est bon. On a écouté. Lotus. D'accord, tu sais pourquoi ils ont fait ça là. Tu l'as fait comme ça. Tu connais ici. Ça signifie quoi? Ils savent voir ça. Mais ça peut avoir vu ça. C'est bien de voir les marques de l'épargne des gens, mais comment tu vois pas les fissures qui sont en moi? Tu es marqué, tu es marqué. Quand quelqu'un arrive au portail, on regarde, il est marqué. Mais comment tu es marqué aussi? Amen. Quand tu regardes spirituellement, ce sont des marques qui sont sur toi. Et c'est plus que des marques satanistes. Parce que le comportement de la jalousie, le comportement de l'aigreur, là, qui a opéré ça, c'est Satan. Donc tu es marqué de la marque de Satan. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc les sciences qu'on doit le pratiquer aujourd'hui dans l'église. Je n'ai pas dit quoi qu'on a pu me donner. C'est pas ce qu'il dit. Pardon, vous aussi qui n'avez pas l'argent, le pouce. Le verset 36. Il y avait à Jobé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de bonnes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Jobé, les disciples ayant appris que Pierre aussi pouvait être cette histoire, Tabitha dit Dorcas. C'est qu'elle était dans l'église. Elle ne cherchait pas un pasteur. Elle ne cherchait pas une prophétesse. Elle ne cherchait pas avoir tant de visions. Ce n'était pas son problème. Mais elle, son problème, elle travaillait pour faire, je ne sais pas comment, les habits pour donner aux veuves et aux orphelins. Elle a gagné son service comme cela dans l'église. On dirait tomber malade et la mort. Chacun s'est levé pour dire, tout le monde peut mourir, mais celle-là, elle n'a pas peur à la mort. Toutes les personnes qui sont mortes en Christ, ce sont eux qui parleront pour vous.
dans son salaire là, une certaine partie pour faire la vie, pour donner aux indigènes. Chacun dit quoi? Mes enfants, mon mari, mon agent de popote. Vous ne voyez pas que ça parle. On cherche la puissance. Regardez comment les disciples étaient utilisés. Ils avaient le feu, on n'avait pas besoin de dire power. On dit quelqu'un prend mouchoir. C'est pas ce que les gens font de l'humeur. Oui, ils prennent mouchoir, ils font qu'on appelle. C'est pas ça. C'est-à-dire que lui-même, il s'est su. Maintenant, mouchoir avant d'aller de quelqu'un, ça guérit la personne, on ne comprend pas. C'est pas ce que les gens font aujourd'hui, ils font. Et puis, il voit bien là. Il dit tiens, et puis il dit, c'est moi, il voit. Bon, il est plein d'attention. Amen. Alléluia. On dit l'ombre de quelqu'un, ça dit il marche. Son ombre guérit des malades. Mais aujourd'hui, tu ne vois pas ça dans une église. L'onction se trouve dans l'amour. Les gens étaient puissamment utilisés. Quand ils étaient dans les tribulations, ils ont élevé la voix. Ils ont dit Seigneur, étends tes mains pour qu'ils se fassent des prodiges et des miracles. Ah. Il y avait la persécution. Miracle passe miracle. Quand Philippe descend à Samarie, frère, son retour, c'est phénoménal. Les magiciens peuvent venir, peuvent tomber. Les magiciens peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais quand Philippe est arrivé dans la ville de Samarie, les gens disent ah, ça, c'est plus que la magie. Ça, c'est plus que la magie. Ils ont compris que c'est que Philippe faisait. Non. Aujourd'hui, l'église est là. Les magiciens ont fait l'Afrique est un grand talent. Et les magiciens vont là-bas. Mais l'église aujourd'hui est vide. L'église aujourd'hui n'a plus de puissance et d'autorité. Parce que l'amour a été apaisé. Parce que l'amour est perdu. On est devenu une bande haineux. La haine dans les églises, les critiques dans les églises, les calomnies dans les églises, les coups de femmes, les coups de garçons, les coups de jeunes filles, les coups de jeunes hommes, les frustrés, les racistes, les chefs, on se croit et les saints, que nos hommes ont été blanchis. Mais si nous mourons dans ça, on va aller tous en enfer. On ne se soucie plus de ce que l'autre a mangé. On n'appelle même pas. Moi-même, il n'appelle même pas. Si il a mangé ou il n'a pas mangé ou c'est pas mon affaire. Amen, chacun se cherche. Alléluia. Maintenant qu'on vient des dimanches comme des frères hypocrites, on est plus même que les larmes. Shalom, shalom. Bon, lundi, jusqu'à samedi. Il n'y a pas shalom. Amen. Alléluia. Donc Dieu comment ses yeux dans ces églises-là. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, 10. Allons-y rapidement. Éphésiens 2, le verset 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Oui. Ayant été créé en Jésus-Christ. Ah, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Maintenant quoi? Tu dis que tu étais créé en Jésus, puis tu fais des mauvaises œuvres. Il faut te demander qui t'a créé. Réponds encore l'écriture. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés. Nous avons été créés en Jésus-Christ. En Jésus. Pour de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Les œuvres doivent nous accompagner. Tiens-toi debout. Les yeux doivent nous accompagner. Tu vas élever cette prière et on va continuer. Tiens-toi debout. Les bonnes yeux doivent nous accompagner. Tu vas élever la main au Seigneur. Et tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens de comprendre ta parole une fois de plus. Seigneur. Que je pratique les bonnes œuvres. J'attache les bonnes œuvres à mon âme. Je tue mon âme. L'amour t'habite. Je parle à mon cœur. L'amour t'habite. Les bonnes œuvres t'habitent. Je déclare la sorcellerie.
Ah. Actes chapitre 8, verset 1 à 5. Actes chapitre 8, verset 1 à 5. Avancez rapidement, rapidement, rapidement. Actes chapitre 8, verset 1 à 7. Oui. 1 à 5. 1 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Il y eut ce jour-là, oui, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Oui. Et tous, ah, excepté les apôtres, oui, se dispersèrent dans les contrées de la Judée, oui, de la Samarie. Oui. Les hommes tués en Sévénie et Tienne. Oui. Et le pleurèrent à grand bruit. Oui. Seul, oui, et de son côté, oui, ravageait l'église, oui, pénétrant dans les maisons, oui, il en arrachait hommes et femmes, oui, et les faisait jeter en prison. Ok. Ceux qui avaient été dispersés, allaient de lieu en lieu. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, puis faisaient quoi? Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ok, le Seigneur soit béni. Frère, nous ne vivons rien en Côte d'Ivoire. Rien. On dit les gens ravageaient l'église de Dieu. Seul, entre dans la maison, il va prendre des personnes, il les lit, on les tabasse. Mais toi, tu dois entrer. Toi, tu dois à l'aise. Tu n'as même pas de problème. C'est ton petit voisin qui te dérange au quartier. Mais une, deux prières, c'est calme. Imagine que le gouvernement ivoirien prend des décrets et on va te chercher dans ta maison. On te met devant tout le monde. On commence à te tabasser avec des fouets. C'est là maintenant de Corinne. Vraiment, il est en train de tout maintenant pour modérer, pour ne pas qu'on me frappe. On a peur d'être frappé. On tape la poitrine, nous sommes soldats, 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 les soldats. Mon ami, un soldat, c'est pas pour rester dans les casernes. Un soldat, c'est pour aller en guerre. Et quand on va dans la guerre, en guerre, on ne cherche pas si elle mangeait 5 fois par jour. Là-bas, là, riz et puis, c'est pas du frère. Si le feu a frappé une fois, il faut en mettre dans le ventre aussi. On ne cherche pas à presser pour dire avec ma soeur pour bien me positionner. Tu as trouvé un faux déposé les gants en avance. Pendant que tu as ouvert cela, on t'entend plus de crash du corps. Adrénaline à coupe le caca. Tu parce que tu cherches à voir si caleçon est propre ou c'est pas propre. Demandez à ceux qui sont à l'aide. Tu portes caleçon en même temps. Il y a caca dedans, il y a caca dedans. Toi, tu as dit, tu dois tirer sur le corps. Alléluia. Demandez-leur. Quand les gens vont en terre, ils reviennent là. Soit ils réveillent et calme, mais soit ils réveillent très violent. Il y a quelqu'un qui a dit que Côte d'Ivoire n'est jamais une guerre. Oh yo! Il n'y a jamais qu'un Côte d'Ivoire. C'est quoi la peur? C'est les échauffements. C'est l'échauffement. Les pays vont faire fréquent dans la guerre. Décimé par la guerre jusqu'à un certain moment là, tu tues un homme, tu prends son cœur, tu manges. Regardez ce qui est arrivé. Nous, on ne souffre de rien. Mais ceux-là, malgré qu'ils étaient persécutés, malgré qu'on nous voit, Étienne, Étienne était lapidé à mort devant eux. Mais la mort d'Étienne n'a pas freiné l'avancée de l'évangile. La mort d'Étienne n'a pas freiné. C'est pendant qu'Étienne mourait. C'est là que nous disons, ah, Étienne est mort, que le nom du Seigneur soit béni. On continue. S'ils arrivent à Galané, dans les chaud. S'ils arrivent à Zoom, la journée chaud. S'ils arrivent à Corogo, chaud. Alléluia. Rien ne les empêche. L'apôtre Paul dit, qui m'empêchera? Ah, qui m'empêchera? Qui me séparera de l'amour du Seigneur? Sera sa tribulation, sera ses angoisses, sera toutes ces choses. Ça ne peut pas m'empêcher de faire l'œuvre de Jésus-Christ. Les soldats prêts pour le combat. Dieu regardera sur ce travail-là. Tu sais pas aussi que quand tu es en Dieu, tu travailles et tu auras un salaire en fin de compte. Dieu va te rémunérer. Un jour, les disciples ont dit, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Il dit, si vous avez abandonné vos mamans, vous avez abandonné vos enfants, vous avez abandonné les terres, dans ce siècle présent, je vais vous donner des mères, je vais vous donner des terres, et dans le siècle à venir, je vais vous donner la vie éternelle. Parce qu'ils ont tout abandonné. Aujourd'hui, tu évangélises, tu soulèves le pas. Quand on finit l'évangélisation,
tu as soulevé les bas. On dirait qu'il allait faire médicament dans la chambre. Les gens diront que tu as soulevé les bas. Tu étais fatigué. Tu vas rentrer chez toi à la maison. Mais à la maison, t'active. Tu vas venir ouvrir. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Il va venir ouvrir pour positionner les bâches. Pendant que nous, on va dormir. Alléluia. Pendant que nous, on va se reposer. Pendant que nous prenons nos voitures, on est parti. Mais lui, il va venir ouvrir. Il a déposé sa maman dans les jeux. Il a une mère. Il a abandonné sa mère. Il a abandonné son père. Dieu va le rémunérer. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne va jamais t'abandonner. Tu as l'impression que souvent tu as abandonné. Ce n'est pas des abandons, c'est son silence. Le Seigneur dit aux disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ils sont passés par la tribulation. Ils sont passés par toutes ces autres choses. C'est tout ça, il est avec toi. Mais plusieurs d'entre nous avons peur de travailler pour le Seigneur. Avons peur d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Avons peur de proclamer. Avec, il ne sait pas, assurance, l'évangile de Jésus-Christ. Et ça diminue aujourd'hui dans les églises. Les églises dites climatisées. Le pasteur n'évangélise jamais. C'est les petits là qui n'ont qu'à les transmettre. Lui, il n'évangélise pas. Ils n'ont qu'à les transférer. Quand ils vont finir de transférer, ils vont envoyer les armes. Ils vont lui donner une technique. Il va ouvrir son ventre là pour mettre dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela aujourd'hui. Il y a les assemblées, regardez les pasteurs n'évangélise pas. Il est plus dans les grosses voitures, dans les frayons. Il pense qu'il est arrivé au ciel. Il est dans les frayons, dans les voitures frayonnées. Lui-même, il veut évangéliser, mais il va marcher. Il veut qu'on ouvre capot de voiture, il va s'arrêter pour dire, donnez votre vie à Jésus. Il y a un monde de païens comme ça. Jésus, même que Jésus marchait sous le soleil, sous la pluie, il allait de ville en ville, de village en village. Il proclamait l'évangile. Mais quand il faut arriver maintenant aujourd'hui, il va trouver des moyens bizarres. Ils ouvrent capot de voiture, ils vont louer des marchés. Non, on est fatigué de marcher. Non, on est fatigué de faire ton frère. Toi, tu es plus que Jésus. Oh, qu'est-ce que tu as dit à Salomon? Il dit, avant toi, il n'y aura pas de roi. Parce que de la même manière que je vais t'élever, Salomon, il n'y a jamais de roi avant toi. Mais Dieu a dit avant, mais Dieu n'a pas dit après. Parce que Dieu savait qu'après, il y avait un roi qui viendra, qui est plus élevé que Salomon. Quand il est né, on dit, voici le roi des Juifs qui est né. Voici le roi des Juifs qui est arrivé. Mais le roi est sur le champ de bataille. Le roi est sur le champ de combat. Le roi évangélise. Le roi baptise. Le roi délivre. Il fait tout ce qu'il peut faire. Jésus n'était pas assis là-bas. Et puis les disciples ont travaillé pour venir dormir. Non. Il se fatiguait aussi comme les autres. Parce que quand il est arrivé vers la femme samaritaine, il était fatigué, il était assis au puits. Le grand Dieu des cieux s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu participer à lui-même son œuvre. Il évangélise comme les autres. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il rend à chose aux choses. La vie aux aveugles. Il enlève la bouche dans les oreilles des sourds. Il a fait tout ça pendant 3 années et demie. La Bible déclare que si on devait monter, tout ce que Jésus a fait comme miracle, il n'y avait aucun livre qui ne pourrait le contenir. Jésus a tellement travaillé. Il a le plus travaillé sur la terre. Voilà pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Afin qu'au nom de Jésus, nous Jésus fléchisse. Et que tout le monde confesse que Jésus est le Seigneur. Parce qu'il a plus travaillé que tout le monde. Pendant que les disciples sont en train de dormir, lui, il est en prière. Il dit, vous n'avez même pas pu prier une heure avec moi. Vous n'avez même pas pu prier une heure avec moi. Il prie toute la nuit. Il se lève le matin avec la fatigue, avec toutes ces choses, mais il va. Il proclame l'évangile du Seigneur. Il proclame, il annonce. Il proclame ces choses. Il n'y a aucun livre qui peut contenir. Il n'y a pas. Jésus a tellement travaillé. Pendant 3 ans et demi, c'est que nous n'avons plus aucun homme sur la terre ne saura le faire. Voilà pourquoi j'aime ce cantique là, je ne sais même pas qui a chanté ça, j'ai oublié le nom. Oh, point d'autre nom que le nom Jésus. Tu ne peux pas recevoir le nom au-dessus de tout le nom tant que tu n'as pas été abaissé. Tu ne peux pas recevoir cette gloire tant que tu n'as pas été abaissé.
il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout doit fléchir. Et tout homme doit confesser que Jésus est Seigneur. Oh, ouais, d'autres noms. On est fatigué d'aller évangéliser, on est fatigué d'aller à la délivrance, on est fatigué de faire tout, on est tout le temps et on est toujours fatigué. Tout le temps, toujours trouver des astuces. Il y a quelqu'un qui veut suivre Jésus. Il dit, ah, il va l'enseigner, mon père Jésus, il laisse ça petit. Laisse ça. Mais si toi, un homme de Dieu veut te dire que, par exemple, bon, il va faire la même chose. Bon, il s'est même tout bête comme ça. Bon, il a le droit de marcher. Et puis il laisse ça. Alors évangéliser, il a dit, ouh, tu vas t'évangéliser. Mais Jésus dit, laisse la mort s'éveiller de mort. Il n'a pas raisonné. Il a laissé la mort s'éveiller de mort. C'est son père qui est mort. C'est son parent qui est mort. Mais il a laissé tout ça. Il a reçu Jésus. Il a servi Jésus. C'est tous ceux qui vont abandonner, qui vont s'abandonner à Christ réellement. C'est ceux-là qui verront la gloire du Seigneur. Je prends l'exemple de la maman là. Elle est tout le temps en évangélisation. Malgré son âge avancé. À la veille des prières, elle est là. Vous faites quelque chose, elle est là. Regardez la famille, vous faites. Vous êtes jeune, vous savez le jour. Mais vous ne le lisez pas. Maintenant, vous voulez que le jour, là, Dieu vous récompense de la même manière. Au ciel, les récompenses ne seront pas la même chose. Elle est bien en évangélisation. Malgré qu'elle n'arrive pas à marcher. Elle va marcher à petit pas, tu connais où elle s'appuie là, tu crois sa raison. C'est loin du ciel. Elle va marcher à petit pas, tout doucement, jusqu'à arriver en ce lieu. Maintenant, on a toute la force, on est jeune, on est rempli de vigueur, mais on refuse de le faire. Évangélisation, elle a même si elle n'est pas évangélisée, mais elle a sa vie ouverte. Tous les versets que vous avez donnés là, elle prend un fou. Elle regarde. Elle n'a pas ouvert la bouche. Dieu sait, sa présence même a déjà appelé plusieurs âmes. Alléluia. Oh, point d'autre nom. Le nom de Jésus. Et puis quand elle est là aussi, on dit lève-toi, malgré son âge, est-ce qu'il lève? Elle va s'arrêter. Même quand souvent regardez, quand elle va s'arrêter, ça baisse. Mais toi, on te dit lève-toi, tu es rempli de cœur. On dit que tu vas aller boire des loups. Quand tu n'as pas envie de prier, c'est là que tu sais que tu dois aller donner paix aux enfants. Quand tu n'as pas envie de prier, c'est là que tu vas trouver toutes les astuces. Mais tu veux que le Seigneur te donne sa gloire. Tu veux que le Seigneur te donne encore sa main. Non, non. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. La condition pour manger, il faut travailler. Ce n'est pas les petites puissances que nous on voit ici. Là. On dit au nom de Jésus, lève-toi, marche. Prends ton lit, marche. Le monsieur se lève, marche. Il n'est pas allé dire, je brise, je casse, je renverse, j'enlève, je décapite, j'enlève ta couronne. Moi, on transmet trop haut. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Le monsieur se lève, marche. C'est pas le miracle que tu as invité de maintenant. C'est pas un miracle, on crie que sa gorge veut sortir. On crie que les estomacs sont froissés là-bas, ça nous donne même des bons redoublements. Amen. C'est qu'ils ont vu faire un maître, là aussi ils font. Jésus est venu devant la piscine de Bethsaïda. Il demande à ce temps, croire qu'on dit lève-toi et marche. Ah, les apôtres ont vu ça. Quand le Saint-Esprit est descendu, eux aussi n'ont pas demandé à chercher ici. Peut-être ta famille est où? Tu sors de quelle génération? Tes parents sont quoi? Écoute, pas comme ça. Ta famille est où? Tu sors de quelle génération? On va prendre ça. Au nom de Jésus, nous avons lève-toi, marche. Mais nous, pour nous, là, on va demander ta génération. On va demander ta famille. Tu viens de quelle tribu? Quand il y a le coin de ta frappe, c'est que tu es un marabout. Quand il y a le temps, c'est que tu es ceci. Frère, on transmet tout, nous reconnaissons. Trop de transpiration, c'est inutile. Alléluia. Il n'a pas dit que après il a fallu te concentrer pour faire comme si tu fais la tête avec pour toi.
Au fait, peuple, tu as déjà ce niveau. Amen. Parce que les disciples m'ont échoué. Le cas, le lunatique dans le feu. Les disciples ont prié. J'ai mal des ventres. Je n'ai pas mangé hier. Toutes les fois qu'on sera des gens des chrétiens, on n'aura aucune puissance. On n'aura aucune force. Les démons vont nous maltraiter. Les... Attends, toi tu penses que prier va s'arrêter, bien le démon va tout. Tu n'es pas bien réveillé. Le démon va prendre le même toi. Alléluia. Reconnaissons que nous sommes trop nonchalants. Demandez à ceux qui sont là en mission. Quand tu vas en mission, tu as l'impression que ce que tu peux ici, c'est différent de ce qui est là. Je me rappelle très bien quand j'étais parti à Bobo. Il y avait une dame. Pendant qu'on annonçait les bouquets du Seigneur, pendant qu'on annonçait, on parlait des boudrins dans le livre. Quand il s'est levé, l'apôtre lui dit trop de faiblesse, trop de faiblesse, trop de faiblesse, trop de faiblesse. Donc l'apôtre Élisée lui a simplement imposé les mains. Je t'assure qu'il n'a pas fait deux minutes à terre. Alors une troisième femme qui dit que l'église quoi là, c'est pas c'est quoi. Bon, il faut oublier. On met ici un raison, on met ici un raison, il dit d'accord, dispose qu'on va prier pour toi. Imposition des mains, elle toute la tête comme un petit serpent. Parce que quand tu travailles avec pour le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait. C'est le Seigneur lui-même qui travaille. C'est le Seigneur lui-même qui opère. Demandez-leur, demandez à son fils, demandez-leur. Quand ils étaient là-bas, tu ne transmis pas beaucoup. Parce que le Seigneur sait que vous serez épuisé. Arrivé à ce moment, ce n'est plus vous qui allez faire. C'est lui-même qui va commencer à opérer les miracles. C'est lui-même qui va commencer à agir. Frère, il faut que nous puissions vous laisser ici. Au lieu de ça, c'est de faire des guerres sur Internet, des guerres sur les réseaux sociaux, de parler en cause de son prochain, de parler en cause de son frère, mais si on n'est plus que des démons. De faire des messages visés. Aujourd'hui, celui-là s'élève, il publie là. Celui-là s'élève ici, il publie là. On dirait comme si on n'a jamais mangé dans les mêmes assiettes. On dirait comme si on n'a jamais marché ensemble. On est comme si on n'a jamais souri ensemble. Mais comment on peut être mauvais à ce point? On est trop méchant. Il dit, je connais ta persévérance, acte chapitre 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, très bien. Dans la fraction du pain, très bien. Et dans les prières. Voilà comment il persévérait. Persévérait dans l'enseignement des apôtres. J'étais attaché à l'enseignement des apôtres. J'étais attaché à la vérité. Il se battait pour la vérité. Il donnait la vie pour la vérité. Il persévérait dans la fraction des pains. Il persévérait dans la prière. Maintenant, je ne me persévère plus dans la prière. Nos prières sont limitées. Tu peux prier une heure de jour, une heure de temps par jour. Mais parce que ta prière est remplie de persévérance, c'est une heure par jour.
en un mois, ça fait 30 heures de prière. Mais quelqu'un qui prie 2 heures aujourd'hui, va prier 2 heures après demain. Lui, là, s'il a trop fait, c'est 10 heures dans le mois. Mais toi, tu persévères dans cette prière-là. Même si c'était 30 minutes par lesquelles tu as commencé, tu persévères dans tes 30 minutes. Chaque jour, tu es dans tes 30 minutes. Tu as ta méditation. Frère, tes mots vont partir. Quand le feu est allumé, si tout le suite le feu commence à réjaillir, il y a une affaire de rire, peut-être des gaz qui est explosé. Frère, tout le monde est sorti. Tu peux t'arrêter là, si le feu est là, tu ne vas pas arrêter. Quand le feu est là, tous les démons qui vous fatiguent, tous les esprits qui vous fatiguent vont dégager. Ils ne pourront pas résister. Le problème avec nous, c'est parce que le feu n'est pas encore arrivé là où il doit arriver. C'est parce que la puissance n'est pas encore arrivée là où elle devait arriver. Normalement, un chrétien n'a plus à voir avec les démons. Prenez la Bible, moi, je ne sais pas si vous lisez comme moi. Je ne sais pas si vous lisez avec moi. Montrez-moi où les gens ont fait prier de quoi. Est-ce qu'ils avaient tant de tout ça? Ils étaient dans une autre dimension. Qui va venir prier pour qui démon va sortir dans la vie de qui? Ils étaient dans une autre dimension. C'est ça la vraie puissance. C'est ça la vraie puissance. Où tu es terreur pour le monde des ténèbres. Tu es terreur pour le monde des ténèbres. Lorsque tu récupères le sujet de prière de quelqu'un, frère, les gens disent, oh, pourquoi on a dans le sujet de prière, c'est pas bon. Parce que tu es rempli de puissance. Si nous sommes remplis de puissance, remplis de feu, frère, on ne va plus transférer beaucoup, c'est terminé ça, c'est terminé ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de nous refroidir. Le diable vous blague. Le diable joue avec vous. Et ça fait des querelles. Ça fait des querelles. Pendant qu'il y a longtemps, on est là, Jésus le dit. Mais on est encore dans les querelles. Les messages visés. Les prédications sur le net visées. Jusqu'à quand on va se convertir? Jusqu'à quand nous changerons? Jusqu'à quand nous abandonnerons ces genre de choses? Allons-y, tu veux supporter les gens. Apocalypse. Chapitre 2. Dieu lui progresse sur toi. Et que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Ça veut dire en français de la terre. Tu as tellement souffert que tu n'étais point fatigué. Tu n'as jamais dit mais j'arrête. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton père d'amour. Tu as abandonné ton père d'amour. Ce travail que tu faisais, ce sel que tu avais. Au début, quand on était venu dans la vie, on était scellé là. Mais quand tu as rencontré des frustrations, des moqueries et des moqueries, des paroles blessantes et des paroles blessantes, arrive un moment où tu ne te pas. Je vais vous donner un exemple. Qui était à Bassan dans le début? Où on n'avait même pas les assemblées de tout seul. Quand on faisait le louange, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, le louange a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'on loue, on le sorcier. Regardez dans le début, regardez dans cette vidéo. Baptême. Frère, baptême, la sacrement du matin, quand 19h, 21h, on était là-bas 22h. 23h, mes parents parlent d'eau, ça parle. Un jour, maman a soulevé le plat dans le placard. Elle a jeté ça sur nous. Parce qu'elle était fatiguée, elle dit qu'il va aller me reposer. On avait un grand cousin, il allait me reposer derrière. Elle a soulevé le plat, elle a jeté ça sur nous. Mais comme Dieu est bon, frère, tu as un bon témoignage, c'est bon. Les femmes de la vie ont dit, si nous on avait un enfant comme pour toi, oh, va prendre ses bagages, jamais dans la maison. Nous, nos enfants, ils font des colonies, ils ont des bagages. Et là, il a quoi? Le lendemain, il est venu me demander pardon. Oui. Donc, c'est le témoignage qui a parlé. Pas que je veux m'enorgueillir. Je n'ai pas la vécu dans les quartiers comme les autres. Mais tout le monde, il y a des gens qui viennent dire, à cause de toi, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à ta maman. À cause de toi, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à tes parents. Parce que le témoignage parlait.
Il n'a même pas besoin d'évangéliser quelqu'un. Le témoignage parlait. Amen, amen. Non, on a abandonné ce problème qui est en nous. Pourquoi on a commencé à réfléchir? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, mais pas toi. Ça veut dire que dans la vie, dans où nous sommes, chacun doit se remettre en cause. Chacun doit prévérément se souvenir. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? C'est la haine de quelqu'un qui t'a fait tomber. Ce sont les paroles blessantes de quelqu'un qui t'a fait tomber. Les gens pensaient qu'on allait venir à Jésus-Christ. On allait trouver des anges. C'est pas des anges. C'est pas des anges. Blessure sur blessure. Clope de jeunes filles critiqueuses. Clope de jeunes garçons critiqueux. Critiqueurs du moins. Et on est assis là en danse. Ah, tiens, il n'y a rien d'en bas. Il n'y a rien. Avant même, on faisait un petit plonge. Si on prenait seulement, il est le feu. Jésus est le feu. Ça saute là-bas. Ça saute là-bas. Les esprits impurs commencent à sortir. Parce qu'ils ne supportaient pas ça. Mais au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on avance, les démons même se plaisent dedans. Il y a des gens, l'esprit les tire comme ça pour chiffrer des mains. On allait à la mission. Quand les seigneurs sont des serviteurs, tu ne peux pas t'arrêter, frère. Tu as les pousses. Alléluia. Tu as les pousses. Mais tu as abandonné ce premier amour là. Tu as abandonné tout ce travail, ce sel que tu as fait. Sinon je viendrai à toi, je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te réponses. Verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je aime aussi. Les œuvres des Nicolaïtes. Alléluia. J'explique la doctrine des Balaam. Parce que l'histoire est longue. C'est dans le nombre de chapitres de l'histoire est longue. 22, 23, 24, 25. Amen. Balaam est un prophète de l'éternel. Balaam dit ainsi par l'éternel. Il parle au nom du Seigneur Jésus. Mais un jour, il y avait en ce temps ce roi qu'on appelait Balaam. Il a vu le peuple d'Israël, c'était un grand nombre. Eux, ils voulaient simplement passer pour aller sur notre territoire. Il ne sait pas comment il va faire pour les combattre. Parce que ce peuple était fort. Parce que ce peuple était puissant.
Parce que ce peuple-là, vraiment, il était soudé, resserré. Regardez bien, quand les gens sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas sortis un à un, ils sont sortis en groupe. Les gens dans le monde disent que l'union fait la force. Amen. Pourquoi ils sortent en groupe? Pourquoi Dieu prend les peuples? Parce que Dieu veut que nous puissions vivre en harmonie. Dieu veut que nous puissions pratiquer la mort. Tu as pratiqué la mort avec qui? Tu pratiques la mort avec quelqu'un qui a envie de toi. Tu ne pratiques pas la mort sur toi-même. Tu vas pratiquer la joie avec qui? Tu vas pratiquer la joie avec quelqu'un qui a voulu de toi. Voilà pourquoi Dieu a pris l'esprit de groupe de peuple. Et même les gens du monde l'ont compris, ils disent que l'union fait la force. Lorsque même vous regardez Akan, Akan a pris un interdit, il y a eu une fissure, il y a eu une rite. Ils ont perdu le combat, ils ont retiré Akan. La victoire est venue. Tant qu'on ne va pas retirer les rites, tant qu'on ne va pas retirer les choses, les tâches, on ne verra pas la victoire et la gloire de Jésus. Amen, amen. Donc Balaam était un prophète de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Donc Balaam voulait combattre le peuple d'Israël, mais il ne pouvait pas les combattre. C'est ce que nous disons. Tous les démons de l'enfer, ils n'ont qu'à se rassembler contre toi seul. Si tu as la puissance, tu as l'autorité, tu as le règne, aucun démon ne pourra s'approcher. Après, il faut que les hommes rentrent encore et puis sortent. Il y a des gens jusqu'à présent, ils font ces prières là. J'appelle mon âme dans la tombe. J'appelle mon âme dans la tombe. Si jusqu'à présent tu es encore dans la tombe, c'est qu'il y a quoi toi? Comment tu peux encore prétendre d'avoir la puissance de ton tombe? Comment tu peux prétendre d'avoir la puissance? Et tu es encore dans la tombe, tu tombes, tu te vois dans les cimetières, tu te vois dans les choses vraiment bizarres. Comme quand tu te réveilles, tu te tournes. On te pousse encore jusqu'à présent. Frère, lève-toi. C'est pas un pasteur qui a imposé les mains. C'est pas un disciple qui a imposé les mains. Toi-même, il faut t'élever. Il faut te chauffer. Il faut te mettre en jambe. Il y a quelqu'un un jour qui m'a appelé. Je suis dans le studio, mais avec maman Pierre. Elle me dit, elle est son. Son, j'ai là. Elle dit, ok, c'est sûr. Il est là, il est venu, il est là, maman. Elle dit, vous voyez comment les gens sont. Donc, c'est moi qui vais aller écouter à ce moment. Tu dors, tu lèves, on pisse sur toi, tu deviens mon âme. Demain, on va prier. Il va dire, non, attends, il y a ceci, il y a cela. Dieu même demande qu'il pisse sur toi. Tu te lèves. Et puis tu ris. Tu dis que le nom du Seigneur soit béni. Il y a attends, le serviteur de Dieu là, a prié pour moi. Je le dis selon la vie. Je jette les habits. Écoute son témoignage, il est trop pleuré. Il écoute son témoignage, il est là, je pleure son nom, je pleure, je dis Seigneur. Je regarde cette vidéo, mais là, je dis, il pleure son nom. Je me rappelle très bien. Je dis, je pleure, j'allais dire à Dieu. Moi, je vais défendre ta doctrine jusqu'à ma mort. C'est pourquoi moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Pour être évêque, pas agir du choc en scène. Tu es devant moi et dis la vérité. Il n'a pas peur de quelqu'un. Dans le réveil, là, c'est pas pour dire que non, hein, pour te prêcher la vérité, pas peur de toi. Tu es une vieille mère, tu te comportes mal, tu te comportes mal, maman. Donc, il va te faire mal, mais ça va passer là. Amen. 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 Tu n'as vieux pas de te comporter mal en plus que tu te comportes mal. Donc, tu vas te faire mal, mais ça va passer. Amen. Amen. Donc, tout chrétien doit défendre la doctrine de Christ. Pour la grâce, c'est mal, il faut dire c'est mal. Il ne faut pas venir quand manigancer. Il faut nous dire la vérité. Mais là-bas, il faut nous parler mal. Ça aussi. Amen. Amen. Donc, par là, pour combattre ce peuple-là, il cherche moyen de ne pas. Il dit d'accord. Cela, il y a une seule chose qui peut faire que je puisse le faire. Il faut qu'il soit maudit. Il va appeler Balaam. Et il dit à Balaam, comme toi tu es un prophète, il faut maudire le peuple. Si tu les as maudits, nous on pourra les gagner. Il vient avec des présents. Balaam, qu'est-ce qu'il devait faire? Normalement, quand quelqu'un vient avec ses présents, tu dois repousser. Mais lui, il voit les présents, il dit attendez d'abord. Il a consulté le Seigneur d'abord. La sémence là, de l'argent est bien rentré dans le jeu. Amen, amen. Et l'image de Balak et de Balak. Balak c'est le roi.
Balaam, c'est le prophète. Le roi ici qui utilise Balaam, la malédiction dans le peuple d'Israël. Quand il le dit, on va commencer à introduire les forces en plus. On va commencer à introduire les cinq pernicieuses. On va commencer à introduire des choses qui ne se faisaient pas avant. On va commencer à introduire et initier ça au but à Jésus. Et la doctrine solide qu'on avait au départ, elle commence à être dégradée. Regardez les assemblées de Dieu, les prédictions et toutes ces assemblées-là. Quand ils ont commencé à devenir des belles frères rigides, on est arrivé à un certain moment. Assemblée de Dieu, même un chien. Assemblée de Dieu, même pas d'avance. Assemblée de Dieu, même du jour. Assemblée de Dieu, confondue. Parce qu'il y avait des prophètes de Baal qui sont rentrés. Ils ont pris l'écriture. Ils ont dit que ça, c'est pas ce que ça veut dire. En réalité, parce que ça veut dire. Ils ont introduit les sectes pernicieuses. Ils ont introduit ces choses-là. Aujourd'hui, l'Assemblée de Dieu, non! Tu prends leur position. Moi, je ne l'ai pas connu. Non, mais la personne qui m'a dit avant, on dit vraiment avant, il était dur. Avant, l'Assemblée était très dur. Mais les prophètes de Balaam, ils ont introduit les sectes pernicieuses. Aujourd'hui, on nous pose la question quel est le sens du Saint-Esprit? On introduit des femmes passeurs. On assiste à bénit. Ils ont mangé le pain de la corruption. Ils ont mangé le pain de la corruption. Et ça aussi, ça va guetter le réveil. Ça guette le réveil. Tout prédicateur n'est pas prédicateur, il est prédicateur de banal. Prédicateur intéressé par l'argent. Prédicateur regardant les dîmes et les offrandes. Prédicateur prêchant pour qu'on puisse apporter des offrandes. C'est un prédicateur du diable. Amen. Amen. Alléluia. Un prédicateur qui dit envoyez notre argent là, on va bouffer. Un prédicateur comme ça, c'est un suspect. Il faut faire très attention, on va se combattre. Là, on se combat. On ne se combat pas physiquement, mais doctrinalement, on va se combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont commencer à tourner les sectes pernicieuses. Vous comprenez, pourquoi vous donnez l'argent? On te conditionne pour comprendre pour toi pour donner l'argent. Je n'ai pas besoin de tes 5 francs, frère. Je n'ai pas besoin de ton argent. Les gens ne connaissent pas ce que l'argent fait. L'argent détruit. L'argent détruit. Si plusieurs sont devenus des faux serviteurs, c'est à cause de cet argent-là. Ça les a détruits. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui donne 12 millions à tel. Ça donne 1 million à tel. On les nomme chef de président, c'est le gouvernement qui te nomme chef de président de tel pasteur, de telle congrégation. Et puis ça acclame. Vous avez mangé le pain de la corruption. Vous avez mangé le pain de la vanité. Ils ont mangé le pain de toutes ces choses. Mais moi je crois que nous sommes des enfants de Dieu. Quel que soit ce qui m'a dit. Et on les appelle pasteurs en Côte d'Ivoire. Ils introduisent les sept pernicieuses qu'on appelle l'âme de la maman. Abraham, pour avoir les biens, il a dit que ça reste sa soeur. Donc toi aussi, si tu vas avoir les biens, tu peux te tromper. Et on enseigne ça dans les églises. Et on s'appelle le roi de la maman. On s'appelle le maître de la maman. On prend les crédits, Dieu a donné son fils unique. Dieu a donné son fils unique. Toi, où est ton fils unique? Ton fils unique est caché en ton tiroir. C'est démoniaque. Non. Le fils unique, c'est pas l'argent. Car Dieu a donc aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque ne puisse point, mais qu'il la vie éternelle. Frère, Dieu a donné son fils unique. Mais toi, ton fils unique est dans ton tiroir. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a 400 000 dans son tiroir. Il n'y a pas de choses comme ça. C'est ça le fils unique. Quelle offrande de rachat? Tu nous parles de quoi? Offrande de quel rachat? Acheter quoi? Notre âme? Et des sectes pernicieuses commencent à s'introduire. L'argent commence à respirer. L'argent commence à venir. On prie pour les gens qui sont en Europe. Parce que quand ils envoient 30 euros, ça fait au moins 15 000 ici. Mais on oublie ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a moins de personnes comme ça.
On a contact avec tous les gens qui sont en Europe. Mais encore, ils n'ont aucun contact ici. Parce que c'est respirer l'argent qui nous intéresse. J'ai perdu ma pièce d'identité même dans ce réveil. Parce que je ne savais pas. Là, ce qu'il a dit à Dieu, je ne savais pas. Déjà, ce frère-là, il l'a mis en contact avec les gens de l'Europe. Il faut prier pour eux. Lui, il usure. Il tombe. Mais là, c'est ma pièce qu'il a pris pour retirer. Pièce qu'il a perdue, il n'a plus jamais utilisée. C'est quand la frère est sortie plus tard. Il dit, oh, il m'a fait perdre ma pièce d'identité. Il m'a même dit, lui-même, il est mangé. Il ne savait pas. En ce moment, on venait d'arriver. Et c'est eux qui nous ont détenus. Donc, on avait cette certaine confiance-là. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. L'argent. Des prédications situées sur l'argent. Des prédications attachées à l'argent. Frère, on n'a pas besoin de prêcher sur l'argent. On n'a pas dit aux gens, allez-y, vendre bien. Même là, quand ton cœur est réellement touché par Jésus, tu vas envoyer. Des prédications assez sur le bien matériel. Introduit les sectes prédictions au fur et à mesure. Introduit les doctrines étrangères. Introduit les fausses doctrines. Dis mieux le message du Seigneur. Commencez à le compromettre. Commencez à dire non, c'est trop dur. Il faut diminuer ici. Il faut diminuer là. C'est trop dur. Il faut diminuer cette partie. Il faut diminuer. On va diminuer quand on va devenir de l'eau. Quand tu commences dans les débuts de Jésus, on t'attend dans 10 ans. On a commencé dans combien d'années? 3 ans. On t'attend dans 10 ans. Dans 10 ans, est-ce que le fruit sera avec toi? Tu parles de réveil là. Est-ce que tu as le réveil dans 10 ans? Un jour, il y avait un programme de jeunes. Je leur ai dit, on est assis là, dans 5 ans, on va voir si vous sélectionnez. Même pas 5 ans, chacun a repoussé chez eux. Faisons attention à qui est établi. Faisons attention à qui est mis sur le troupeau de Dieu. C'est un cupide. C'est un prophète de Balaam. Tu ne peux pas les distinguer, frère. Il a les mêmes caractéristiques, ils sont très très zélés comme les autres. Mais attendez de voir. Cause avec les gens en Europe, encore tu vois, il ne cause avec personne. Il prie pour les gens en Europe, mais encore tu vois, il ne prie avec personne. Comme si les gens qui sont en Europe, ils ont fait comme nous ici. Demandez-leur. Ils ont fait comme nous ici. Ils luttent même pour trouver les zéros. Alléluia. Qui t'a dit qu'en Europe il y a l'argent? Qui t'a dit qu'en Europe il y a l'argent? Il y a des gens même encore du voici pour l'argent, parce que ceux qui sont en Europe, ils peuvent les prendre tous les nuits pendant moins de 20 ans de leur vie. Amen. Quand on voit les gens venir de l'Europe, on court pour aller s'approcher à eux, on dit sa pitié. Serviteur de l'argent. On va faire amitié avec eux. Hé hey, maman, va t'arriver. Ici en Côte d'Ivoire, c'est comme ça on est. Tout ça pour la corruption. Tout ça pour de l'argent. Ils introduisent la doctrine de Balaam. Ils introduisent des sectes pernicieuses. Et au fur et à mesure qu'on parle de ça, les choses commencent à s'amoindrir et à diminuer. Préservons les eaux de Jésus. Que les eaux de Jésus ne soient pas brisées. Mais les œuvres des Nicolaïtes, hey! Ah, je vais vous présenter les œuvres des Nicolaïtes. Aujourd'hui là, avec les hommes de Dieu. Attendez, on va terminer. On va pas arriver à la s'il vous plaît. Les œuvres des Nicolaïtes. Quand on dit Balaam a dit au peuple, mangez les graines sacrifiées aux idoles. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Le peuple, ils ont leur coutume, ils ont leur fête. Le peuple Israël aussi a sa fête. Mais la viande sacrifiée aux idoles, c'est leur fête. La viande qu'ils préparent là-bas, Balaam les disait manger. Donc quand il mangeait, il se souillait. Et quand il se souille, il y a le péché qui est entré. C'est là que Balaam n'est pas plus frappé.
Aujourd'hui, les gens prennent les anniversaires, ils mettent dans l'église. Ça, c'est les œuvres des Nicolaïtes. C'est la doctrine des Nicolaïtes. Il faut qu'ils vivent comme les païens. C'est ce que nous avons dit, le paganisme. La manière de vivre des païens. On prend ce qu'il y a dans le monde et puis on veut christianiser ça. On prend le lac, on veut christianiser le lac. On prend le soukou, on veut christianiser le soukou. Soukou chrétien, rap chrétien, reggae chrétien, tout chrétien, sou chrétien. On a mis bono chrétien. L'église va gratter la vraie doctrine. Un enfant de Dieu n'est pas dans les anniversaires, je le dis haut et fort. Un enfant de Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Anniversaire des mariages, anniversaire des morts, anniversaire de tu vas marier, c'est tout. Point. Et ils ont pris ça dans le monde. Ils veulent ramener ça dans l'église. Ils vont trouver des moyens pour pouvoir introduire ça. Pour que ça devienne maintenant une doctrine. Parce qu'il y a une différence entre les œuvres des Nicolaïtes et puis la doctrine des Nicolaïtes. Les œuvres des Nicolaïtes, c'est le procédé de la païenne forme. Mais là, quand ça devient une doctrine, une pratique dans l'église, ça devient une doctrine des Nicolaïtes. Oui, les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on sera en décembre bientôt. Ils vont prendre Noël. Ils vont mettre les sapins dans les églises, les jeux de lumière. Il y a des choses comme ça. Et tu vois que les gens, ils sont à gestion des biens, mais ils font ça un peu à la maison. Ils se souhaitent les joyeux anniversaires. C'est la malédiction qui nous suit. Alléluia. Alléluia. Le vendredi, on était à la chose. Évangélisation. Il y a un frère qui m'appelle. Il dit, ah, il y a un débat ici là, vraiment. Il y a d'autres qui disent qu'on peut faire anniversaire, mais même si on ne fait pas, on peut lui joyeux anniversaire. C'est du mensonge. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Donc c'est-à-dire que les gens sont encore là. Ils sont dans l'assemblée, mais ils sont encore dans les joyeux anniversaires. Anniversaire des mariages, anniversaire des naissances, anniversaire des morts, anniversaire des quoi, tout ce qui est anniversaire n'a rien à voir avec l'écriture. Montrez-moi un seul verset où on a fait anniversaire des morts, des mariages, des naissances. Ils vont faire tout pour commencer à introduire ce genre de choses. C'est-à-dire que, ils ne le font pas, mais ils veulent donner un cadeau, c'est la même chose. C'est introduit à Noël, et football dans l'église, équipe de femmes contre équipe de garçons dans l'église de Jésus, football. Il y a vraiment des gens comme ça. Et puis ils viennent partir du monde. Dans l'église de Jésus, miss. Quand on définit comme ça, c'est ce que la Bible a fait. Il y a un frère qui se plaint froissé comme ça. Ça peut même attirer quelqu'un. Un foyer là, il est assis là-bas. Quand il définit quelqu'un comme ça, elle peut procéder. Amen. Mise dans les églises. Définir des mots dans les églises. Il y a un aussi là. Ils sont arrivés un jour là, ils ont commencé à faire comme une Krishna dans l'église. Hein, de sa Krishna maintenant. Vous connaissez donc, il faut les Krishna maintenant, tu vois les femmes là. Il y a moi les choses. Ça, c'est du paganisme. C'est la doctrine des Nicolaïtes. C'est une assemblée marquée par l'enfer. L'église est à l'église. Ce que le monde est au monde. Il n'y a pas de relation entre Christ et le Béliard. Il n'y a pas de relation entre le monde et l'église. Tu as le monde et l'église. Choisis ton camp. Les pas des gens se montrent, ça c'est nous. Hein. Les pas des gens se montrent, ah, c'est fini. Les pas comme ça, là, c'est fini. Amen. Les pas des gens se montrent. Amen. Amen. Les pas des gens se montrent. Comment tu regardes alors là? Tu sens que tu as vu une autre coupe des mains. Amen. 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 Tout ça, ce sont les gens de Nicolaïs. Ça offre un peu. Alors au début, à Irma, premier jour à Jésus chrétien, quand la porte a pris le micro, il dit là. Donc toi, tu es habitué à faire les jeux de rien. À faire danser les charailles. Parce que mon frère, il est fond des charailles. Quand il peut lui mettre avant, comme ça. Charailles. On faisait parler dans l'église.
il y a pas la conscience, il y a pas quelqu'un de tuer. Non, lui va se mettre devant nous, on va le prendre maintenant. La porte a pris le micro ici, là on ne fait pas les bébés. Les bébés sont entrés. Un jour après ça, pas de peur, pas de pouvoir, tu vois les chrétiens. Oh, c'est que nous sommes. Ça fait les rythmes bébés. Même quand il n'y avait pas de batterie, même c'était le mieux. Aujourd'hui, la batterie, là, vraiment, c'est du paganisme. Arrivé à certains moments, on ne sait pas comment ça va. Tout de suite, il y a des chansons, mais quand on commence à. Chacun commence à voir. Les petits. Lazio, aïe, aïe. Ça passe après les pas de danse. Bébé, les pas de danse qui sont dans le monde. On retrouve ça dans les églises. Il y a un pasteur qui a habillé dans nos loges. Il a monté chose comme. Pendant la noire, chaussures avant vraiment faire ça, c'est mieux. Et puis maintenant, allez, t'es, puis c'est comme un programme. Yeah! Il y a moins de choses. La compétition dans les églises, c'est le paganisme, c'est le monstre. C'est le monstre. La sonorité, la musique, quand même, c'est rude là. Il reste un peu même là. C'est le monstre. Un jour même, c'est pas une sonorité, mais la porte a arrêté. Il y a un peu de maroucan là. Là, tu es assis au piano, tu connais bien chanson et puis ça fait un chant de Mapuka. Et tu es là, tu joues ça, tu penses que tu as le ciel. Mon frère, si on veut le rêve que tu dois sauter, faut danser comme ça, c'est mieux. Voilà, c'est tout. Faut danser comme ça, c'est mieux. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Amen. 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 Tout ça aujourd'hui, ça commence à entrer au fur et à mesure. Et on laisse. On laisse, on laisse. Ça va s'installer maintenant. Et quand ça va s'installer, c'est gâté. On devient comme les assemblées de Dieu. C'est quoi qu'on avait envie, c'est-à-dire qu'on n'était pas encore trop formés. Hein? L'évangile a avancé. Nous sommes dans un monde évolué. Bon, l'évangile évolue. Hein? Bon, tu sais, nous, on est pasteur avant toi. Ça fait 15 ans de ministère. Moi, je suis avec le côté pasteur. On a croisé un homme de Dieu dans l'évangélisation. Il est coupé des veines. On dit, tu as vu une veine? Bon, j'étais le premier pasteur quand telle église ouvrait, j'étais là. Voilà. Attends, vous savez quand vous prêchez, vous êtes comme ça, vous avez quelque chose. Il y a longtemps, on prêchait, c'est une chose. Mais il est ivre, il sent l'alcool. Et on dit aujourd'hui, que boire n'est pas un péché. Un chrétien qui ne boit pas n'ira pas au ciel. Tout chrétien qui boit va au ciel. Et moi, les chiffres comme ça, les chrétiens volent. Quelqu'un n'a pas vu me dire que lui là, lui il prend un peu et puis il s'arrête. Il n'a pas vu me dire ça. Un menteur comme ça. Ils boivent, ils s'enivrent, ils sont coupés. Et ils viennent dire là, la Bible dit un peu moins, un peu. Avant que je résous la fête, un peu moins. Avant qu'on mange. Dans le livre, quand l'apôtre Paul parlait à Timothée, il dit prend un peu de vin à cause de ton fréquent mal d'estomac. Donc lui qui a dit ça ici, l'apôtre Paul qui a dit ça ici, quand il arrive dans le livre d'Éphésiens, les écritures ne se contredisent pas, ne se complètent. Il dit ne vous enivrez pas. Donc le un peu là, il a bien donné ça à Timothée à cause de son fréquent mal d'estomac. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dans quel contexte il se trouvait, parce que Paul bougeait beaucoup. Donc il y a cause de ton fréquent mal d'estomac, prends un peu de vin. Le vin était vu comme ici de l'alcool qu'elle est venue encore soigner son mal d'estomac. C'est terminé. C'est pas pour dire c'est devenu fin de temps. C'est devenu fin de temps. Voilà, quand l'autre côté dit ne vous enivrez pas. Parce que si il ne vivait pas, il contredit ce que lui a dit à Timothée. C'est pour ça que les écritures marchent. Non, Jésus a transformé l'eau en vin. Le premier miracle, c'est Jésus a transformé l'eau en vin. Donc il faut boire le bon vin. Alléluia, les vins de table. Mais on n'a pas dit indigestion, c'est pas ce qu'ils ont dit. On dit quelqu'un avait mal d'estomac. On n'a pas dit qu'il avait indigestion. Et c'était fréquent, c'était récurrent. Et on lui a dit, regardez-moi nous dans nos coutures. Là où il est sur les drogues, l'alcool, la drogue, en réalité la consommation de la drogue.
Dans un mauvais usage, n'est pas une bonne chose. Mais la consommation de la drogue dans une bonne chose, c'est bon. Les médicaments que vous appelez somnifères. Les médicaments, vous, dès que vous finissez les plans, le médicament, vous dormez. Vous savez ce qu'il y a dedans, c'est la drogue. Mais ça, c'est pas condamné. Vous voyez? Ça, ce n'est pas condamné. Les écritures ne condamnent pas ça. Les somnifères, là, c'est de la drogue. Pour te permettre de dormir, pour que ton corps puisse te reposer, puis le médicament fasse son travail. Parce qu'il voit rien, on le connaît, quand il finit de prendre le médicament, il va jouer. Mais, donc tu as permis qu'il y ait dans la forêt des cannabis. Ce n'est pas pour que toi tu vas te prendre dans tes narines. Amen. Tu as fait toutes choses pour un but. Parce que Dieu sait que ça va servir à la médecine. C'est pas tout le monde qui est chrétien. Même au hôpital, tu vas pas là-bas. Tu vas là-bas. On donne des médicaments. Quand tu finis de prendre, tu dors. On met un peu de drogue, une petite dose pour ta santé. Mais quand tu prends, tu mets dans tes narines. Et tu dis, où est le verset qui dit que Dieu dit de ne pas prendre la drogue? Comme il n'y a pas de verset, maintenant. Alléluia. Tu prends pour faire de la délégance dans tout ce qui est sur la terre. On peut bien faire comme mal fait. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez ça? Quand le constructeur vient, viens, les gars. Tourne comme ça, donc. Quand le constructeur de ça, cette canne-là, ce trépied-là, quand il a fait ce trépied, lui dans le but, c'est de soutenir un téléphone pour pouvoir filmer. Toi, tu prends le trépied pour piquer quelqu'un. C'est lui qui a fait. Ah. C'est lui qui a fait. Ouais, je veux avoir chaussure. Ça a été fabriqué dans le but de me voir porter. Quand tu prends ce chaussure, j'y vais mon enfant, c'est ce que tu as dit. Toutes les femmes qui ont bien j'y vais l'enfant, les chaussures, que vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas t'en faire. Toutes les femmes qui ont insulté les enfants, qui les ont maudits, qui ont dit que, tiens, elle dit que Dieu te bénisse, mais c'est dans le mal. Vous n'allez pas au ciel, répondez-vous. Toi qui es ici à ton enfant, bête, chien, bâtard, imbécile, tu as fait tout, tu vas aller en enfer. Il n'y a pas une écriture qui t'insulte les enfants, qui les corrige, il n'y a pas d'insulter les enfants. Amen. Alléluia. Donc on introduit ces sept pernicieuses là, ces doctrines de Nicolaïque là, on les introduit au fur et à mesure dans les églises. Compétition dans les églises. Concours de danse dans les églises. Il faut qu'on se convertisse. On n'est pas encore affaibli. Alléluia. Il faut qu'on se convertisse. Dîner gala spirituel. Dîner gala chrétien. Si tu vas aller au dîner gala, il faut partir. Il ne faut pas faire dîner gala chrétien, pardon. Quand tu penses que les apôtres qui sont en train de persécuter, les gens s'assoient pour aller faire dîner gala, pour aller faire le football, femme contre garçon, si seul l'État ne les a pas tués tous. Nous les chrétiens, nous venons de tout distraire. Trop distrait. On regarde le monde. Et on dit comme les chrétiens. Hein. Vraiment. Vous voulez pas que les chrétiens puissent aller faire miss. Vous ne voulez pas qu'ils puissent aller s'arrêter dans les salles pour faire miss. Là. On organise maintenant miss à l'église. Miss chrétien. Je discutais avec le moment qui est la pandémie. Les gens qui disent qu'ils sont gospel chrétiens. Hein. Frère, c'est pire que le diable. Et ils introduisent des mauvais rythmes musicaux dans les chansons. Mauvais même. C'est eux qui ont envoyé des systèmes de rap chrétien. Ce KS Bloom, quoi, il est dans leur groupe. Voilà, leur groupe Maja Group Talent. Il faut aller taper, il est dans leur groupe. C'est là-bas qu'ils sont tous seuls. Gospel chrétien. Et il ne faut que faire du paganisme. Introduit des sectes pernicieuses. Et au fur et à mesure qu'ils chantent, ils vont faire disparaître le nom de Jésus dans les chansons. Tu écoutes une chanson, il n'y a pas le nom de Jésus dedans. Comme tu ne sais pas où est Jésus ou quoi. Ils sont devenus des poètes, des slameurs. Il n'y a pas le nom de Jésus dedans. Alléluia. Il faut des choses, même le nom de Jésus n'est plus cité. Dieu est capable de faire. Jésus est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Dieu se vanne. Ne pas t'appliquer ça. Dieu se vanne. C'est Jésus. Ils introduisent des choses. Au nom du Dieu de mon Père, je déclare
Mais attends, c'est quoi ça? Depuis quand les disciples ont dit au nom du Dieu de Jésus? Au nom du Dieu de Jésus. C'est quoi ça? Or l'écriture dit, priez en mon nom. Au nom du Dieu de mon père. Comme son père c'est sataniste et que son Dieu c'est Satan. C'est pour camoufler cela. Au nom du Dieu de mon père, je déclare. Par le manteau prophétique que j'ai reçu de mon père, je déclare. D'accord, je... Non, les gens ne parlent rien, quoi. Non, le prédicateur, faut rien. Je ne mets pas la merci. Je me tiens dans l'onction de mon père. Et puis, ah! En grec, je brise les cantés de Kung Fu. Ça, ils ont pris l'histoire des Élie et des Élisée là. Manteau prophétique. Manteau, est-ce que tu as le manteau prophétique? Est-ce que tu as quoi la main là? Oh, ils ont une tête là. Est-ce que tu as la condition de ton père? Si ton père ne t'a pas envoyé, il y a un qui a mélangé une prédication, un certain prédicateur. Il préfère être son nom, chapeau-mat comme ça. Il a mélangé une prédication. Nous, on a été écoutés avec des couragés. Il dit, quelqu'un peut critiquer ton père. Ne permets pas à un homme de critiquer ton père. Tout ça, ne va pas le critiquer. Il y a moins de choses comme ça. Le manteau de Élie est plus d'Élisée. Élie dit, donne-moi, Élisée dit, donne-moi, je te prie, la double portion de ton homme. Élisée vaut mieux. La double portion de ton homme. La double portion de ton homme. Répétez bien, aïe. Esprit. Ah, c'est ça. Acclamez pour lui. La double portion de ton homme. Esprit. Et quand il s'en va, il enlève le manteau. Il donne ça à Élisée. Quand Élisée prend le manteau, il a divisé en deux. Le manteau, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand Jésus devait mourir, il a rassemblé ses disciples avant de laver les pieds. On dit Jésus a levé d'abord son manteau. Ah. Avant de commencer ce service-là, il a laissé la portion du Père. Il rentre maintenant dans la fonction du serviteur. Le sacrificateur doit agir. Le manteau, c'est le Saint-Esprit. La double portion, là, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas fait de manteau de mon Père, partout de ma grand-mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les parents, ils disent, c'est un habit, ils vont porter pour se promener. Pour réveiller, pour réveiller mal. Dieu aussi a fait ça pour égarer plusieurs. Le manteau, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit dans le manteau, tu es revêtu de la puissance et de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible déclare qu'un grand signe paraît dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et dans la douleur de l'enfantement, elle criait. Un autre signe paru dans le ciel, Apocalypse chapitre 1, verset 2. C'était un grand dragon rouge. Alléluia. Mais quand le signe paru dans le ciel, la femme était enveloppée du soleil. Donc le soleil était devenu son vêtement. Le soleil était devenu encore son vêtement, son habit. Ah, le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus. Luc chapitre 1, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. C'est Jésus qui est le soleil levant. Donc le soleil qui revêt cette femme, dans Apocalypse chapitre 1, verset 12, c'est Jésus. Donc cette femme qui est dans le ciel, c'est l'Église. Quand elle est sur la terre, c'est Israël, ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Marie. C'est l'Église qui est revêtu de la puissance de Dieu. C'est l'église qui passe sur la lune. Marcher sur la lune, ça ne veut pas dire qu'elle ça. La lune, là, c'est une vision. Dans la vision, il y a des explications. Ça ne veut pas dire qu'elle passe sur la lune. La lune apparaît le soir. L'église est un peuple du soir. Il faut qu'on vous enseigne. L'église est un peuple du soir. Voilà pourquoi l'apôtre, les apôtres disaient, la nuit est avancée, le jour approche. De prendre des œuvres de ténèbres. Parce que l'église est un peuple du soir. Donc l'église marche pendant la nuit. Mais pendant que nous marchons pendant la nuit, pendant qu'il y a les ténèbres, nous avons le chandelier, nous avons la lumière. Aucune personne ne peut allumer le chandelier et la mettre sur le boisson. Mais elle a fait lumière. Nous avons la lumière, nous sommes éclairés. Il peut y avoir l'obscurité sur la terre, mais nous nous sommes éclairés. Nous avons la lumière et cette lumière c'est Christ. Je suis la lumière du monde. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 12, je suis la lumière du monde.
le Golgotha, la Bible déclare que entre la sixième et la neuvième heure, entre midi et puis 15 heures, les ténèbres ont envahi la terre parce que la lumière est en train de disparaître. Comme Jésus est la lumière, et Jésus est la porte de Golgotha, dans ses têtes, la lumière commence à disparaître. Jésus est la lumière du monde. Si tu as Christ, tu as éclairé. C'est ça la femme qui marche sur la lune. Une couronne de 12 étoiles. Dans le livre de l'Ancienne Alliance, la couronne parle de l'enseignement. La couronne parle de l'onction. Or, l'onction qui a 12 étoiles, c'est le message des 12 apôtres. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Toute église qui n'a pas l'enseignement des apôtres est une église qui ne vient pas de Dieu. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Elle était enceinte. Or, la Bible déclare que celui qui a le fils a la vie. Cette femme avait le fils. Cette femme avait l'enseignement. Elle criait dans la douleur de l'enfantement parce que c'est bien vrai que tu as l'enseignement, mais il y a la tribulation, il y a la persécution. Le diable vient se mettre devant le grand dragon qui a la couleur rouge. Pourquoi il a la couleur rouge? Tout ça sont des explications. La couleur rouge dans les écritures, c'est la couleur du sang. Le grand dragon, c'est le diable. La couleur rouge, c'est-à-dire qu'il se tue, il détruit, il tue, il met à mort, il vit du sang. Sa queue qui a entraîné le tiers des étoiles. Or, dans les écritures, la queue est interprétée comme le faux prophète. Le faux prophète aujourd'hui entraîne plusieurs dans les égarements. Et ils introduisent la doctrine de Balaam pour égarer plusieurs. La Bible déclare qu'il y eut autrefois des prophètes, des faux prophètes. Il y en aura aujourd'hui des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. 2 Pierre chapitre 2, verset 15. Nous avons cette lumière, c'est Christ. Ce n'est pas Marie, que c'est Marie. Marie, Marie, et Bao, et Badaye, et Marie, foyer. Marie, tu sais quoi, tu as dit que c'est Marie. Eux ont ajouté. Il dit la femme qui est sous le feu. Comment dire qu'elle porte le fils? Et son fils doit perdre les nations avec une bêche de fer. Ils ont dit que le fils c'est Jésus. Donc comme c'est Jésus, c'est que la maman c'est Marie. Il y a une interprétation bancale comme ça. Les écritures, ça change de forme. Quand la femme finit d'enfanter, son fils qu'elle enfante là, il y a une explosion. Aujourd'hui, là, c'est comme l'église. Toute église est une femme enceinte. J'entre maintenant dans la doctrine de dépouillement. Toute femme enceinte, remarquez bien les femmes enceintes. Quand le ventre sort, elle porte bien. Ah, ça veut dire aujourd'hui que quand tu as reçu l'enseignement de Christ, tu vas bien t'habiller. Tu vas couvrir ton corps. Tu vas cacher ton corps. Alléluia. Amen. Donc Dieu a prêché le dépouillement dans l'Apocalypse chapitre 12. Donc le dépouillement était là-bas. Cette femme avait le fils. Et quand le fils est né, la Bible déclare que le diable est allé faire la guerre à cette femme. Mais les deux ailes du grand aigle ont secouru la femme pour l'emmener dans un lieu où elle sera nourrie pendant 1260 jours, un temps de temps et la moitié d'un temps, 42 mois. C'est la même chose, frère. Il y a beaucoup de choses à vous enseigner. Il y a beaucoup de choses à vous enseigner. Beaucoup de choses. Depuis quand Marie était nourrie pendant 1260 jours, elle allait où? Demandez-leur. Oh, c'est Marie, c'est Marie, c'est quelle Marie? Le fils qui sort, en réalité ce fils-là. Alléluia. Le fils qui sort, en réalité ce fils-là, c'est une même personne. Qui va partir à l'enlèvement, c'est la même personne, c'est l'église qui monte. Maintenant cette femme, elle quitte le ciel et on dit maintenant qu'elle arrive maintenant sur la terre. Or cette femme qui arrive sur la terre, Galates 4, verset 22, interprète Israël comme un peuple terrestre. C'est Israël maintenant qui est un peuple terrestre qui va aller nourri par les deux soins, les deux oliviers, les deux sandaliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, selon Zacharie chapitre 2, verset 10, selon Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 5. Ah, vous ne connaissez pas les deux soins, donc vous enseignez sur tout ça. Tout ça, il y a des enseignements de l'homme. Ils vont enseigner l'église pendant 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi, c'est 1260 jours, tout 42 mois, un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est ce qu'on appelle la dernière semaine de Daniel. La dernière semaine de Daniel qui reste. Elle arrive d'abord. Dieu a ouvert une brèche entre la 69e semaine et la 70e, bien suivant comme cela. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre.
entre la 69e semaine et la 70e semaine. La 69e semaine a pris fin par la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Et Dieu a ouvert une brèche. Et quand la brèche est ouverte, c'est là que l'église est sortie. Je retourne maintenant dans l'ancienne alliance. Lorsque Jacob et Esaü deviennent, la sage-femme a mis la main sur une corde, sur quelqu'un. Quelle brèche est ouverte? Celui qui devait sortir n'est plus sorti, c'est l'autre qui est sorti. C'est ça aujourd'hui l'église et puis d'Israël. Les premiers deviendront les derniers. Les derniers deviendront les premiers. Dieu a ouvert une brèche pour que toute l'église en puisse se rappeler. Quand le temps sera approché, il va retourner ses regards vers Israël. Il va le parler à Israël. Le temps d'Israël va se dépouiller. Il reconnaîtra que c'est lui le Messie. Aujourd'hui, il n'y a pas un juif qui reconnaît que Jésus est le Messie. C'est un plusieurs qui reconnaissent que Jésus est le Messie. Dieu en Israël a dû nous voir comme des coloris. C'est que nous disons, c'est des coloris. C'est Dieu qui a fait ici. Quand Jésus racontait le mystère, la parabole, il dit à vous, il était venu reconnaître le mystère de l'homme de Dieu, mais à eux, c'est fermé d'abord. Pourquoi c'est fermé? Parce qu'ils ont excité la colère de l'Éternel en adorant des Baals. Dieu aussi, pour les faire payer sur la main, exciter la colère par un peuple qui n'est pas un peuple. Voilà pourquoi il dit, si vous refusez de m'adorer, je suscitez des pierres. Alléluia. Les pierres qui ont été suscitées, ce n'est pas caillou pardon. Caillou ne va pas adorer. Il n'y a jamais caillou qui va adorer Dieu. Caillou qui est dans le monde, ça ne va jamais adorer Dieu. Les pierres qui adorent Dieu aujourd'hui, c'est nous l'Église. Alléluia. Parce qu'ils ont refusé d'adorer le Seigneur. C'est nous l'Église aujourd'hui qui adorons. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, frère. Même quand tu prends dans la Sainte Alliance les hôtels on ne prenait pas, on prenait les pierres naturelles, les pierres qu'on prend plutôt pour poids. Qu'est-ce que ces pierres représentent aujourd'hui? Nous sommes l'hôtel de Dieu. Parce que c'est près de nous que la prière monte. C'est de nous que le parfum de bonne odeur monte. Donc c'est nous qui sommes l'hôtel de Dieu aujourd'hui. Et je dis quelque chose. Quand un enfant de Dieu est réellement converti, il n'appartient plus aux hôtels de sa famille. L'hôtel à laquelle il appartient, c'est la doctrine de Christ. Voilà pourquoi Élie, avant de faire descendre le feu, il a rétabli les 12. Or, les 12 pierres qui ont été rétablies représentaient l'enseignement des 12 apôtres, qui est un fondement qui doit être établi avant que le feu ne descende. Dieu ne verra jamais descendre sa puissance. Tant que l'hôtel n'est pas rétabli, Dieu ne verra pas descendre sa puissance. Donc quand tu es réellement en Christ, tu n'appartiens plus à l'hôtel de ta famille. Tu n'es plus dans ta famille, on te cherche dans l'église. On ne te verra plus. Parce que tu es né de nouveau. Tu es bien réglé en Christ. Tu n'appartiens plus au Dieu de ta famille, ni au Dieu de ta maison. Mais tu es une nouvelle personne en Christ. L'hôtel aujourd'hui, notre hôtel, c'est la doctrine. Quand tu es dans la sainte doctrine, tu es l'hôtel de Dieu. Tu es l'hôtel de Dieu. C'est l'hôtel de Dieu aujourd'hui dans l'église. Il y a beaucoup d'images qui viennent. Pendant que le peuple devait arriver à Canaan, ils ont traversé la première eau, qui est la mer Rouge. Ils ont traversé une deuxième eau, qui est le Jourdain. Mais quand ils traversaient, les sacrificateurs sont allés d'abord devant. Et là où ils mettaient leurs pas, ils ont mis 12 pierres. 12. Avant que le peuple ne puisse passer. Avant d'aller au ciel, il faut respecter la doctrine. Oh, ces pierres-là se retrouvent où? Dans l'eau. L'eau, c'est la parole. Dans la parole, il y a la doctrine, il y a le fondement. Tant que tu n'as pas marché sur ce fondement-là, tu ne pourras pas entrer à Canaan. Voilà pourquoi ne jouons pas avec la doctrine. Ne jouons pas avec la doctrine. Ne vous amusez pas. Quelqu'un introduit une fausse doctrine, il faut dire, mon ami, tu mens. Même si c'est un pasteur, dis que tu mens. C'est pas vrai. Regardez bien. La soeur Dina, elle est allée voir des filles du pays. Elle arrive là-bas, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand ses frères ont entendu, ils ont soulevé les épées, c'était une vieille épée Simeon. Ils sont descendus, ils sont allés frapper tous les hommes là. Alléluia. Il dit, mais pourquoi on peut être descendu de notre soeur? Aujourd'hui, notre soeur, c'est la doctrine du Seigneur Jésus. Celui qui s'attaque à la doctrine, s'attaque à moi, s'attaque à toi, s'attaque à toi. Donc on doit avoir aussi des épées. On doit avoir l'enseignement parce que l'épée c'est la parole. On doit avoir la parole pour combattre tous ceux qui s'élèvent contre la force doctrine. Parce que nous devons fermer la bouche à tout contradicteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Am